Merci, bonsoir. Matériel très sophistiqué. Vous m'excuserez, moi je suis un peu. Je suis pas très fort. J'ai souvent beaucoup d'aide, c'est pour ça. Donc, je pensais parler. Cette question très importante pour moi, c'est l'art modeste existe-t-il ? Et surtout essayer de retracer les 14 ans bientôt que le MIAM existe, le Musée international des arts modestes, qui a ouvert en 2007 et qui est un laboratoire expérimental sur les rapports entre les différents territoires de l'expression, c'est toujours difficile de nommer les choses, et qui est un lieu aussi qui met en rapport un public de néophytes avec l'art contemporain le plus, entre guillemets, difficile à accéder. Mais votre cher directeur m'a demandé de faire voir quelques-unes de mes œuvres avant, alors, parce qu'il paraît que vous ne connaissez pas votre travail ici, à Bayonne. Je suis déçu. Moi qui croyais être une star internationale, mais si on ne me connaît pas à Bayonne, je suis cuit. Donc, on va faire. Et puis, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à parler de mon travail. Je pense qu'un artiste, contrairement à ce qu'on peut vous apprendre dans les écoles aujourd'hui, j'ai été très surpris il n'y a pas longtemps. J'ai été invité à la remise des prix Marcel Duchamp en octobre dernier à Paris. Et il y avait dans les 4 lauréats, qui étaient de très bons artistes jeunes, fait moins de 30 ans. Et j'ai été surpris, ils avaient chacun pendant le dîner qui précède la remise du prix, ils passent des vidéos où chaque artiste explique son œuvre. Alors là, je peux dire, j'ai chapeau, j'ai été vraiment impressionné, je serais incapable de faire ça, quoi. Incapable complètement de dire là où je veux aller, où je veux, etc. Parler du rapport à l'œuvre, je travaille sur quelque chose. Moi déjà, j'ai jamais travaillé sur quelque chose, je travaille à l'intérieur des choses. Donc c'est très difficile de décrire sur quoi je vais travailler, puisque c'est pas du tout le genre de position dans laquelle je me mets. Donc voilà, alors pour faire un petit... On va parler des années 80 en 7 minutes, parce que pour moi c'est très loin. On parle toujours de la figuration libre, etc. Ça mérite un peu, bien que ce soit un fait historique aujourd'hui. Ça a été un des derniers, dernier mouvement pictural en France, puisqu'après, on ne peut pas dire que l'esthétique relationnelle a été vraiment comme un mouvement dans le sens classique. Et nous, la différence, c'est qu'on était 4, on n'était pas beaucoup, hein. Bon, après, il y avait beaucoup d'autres qui se sont agrégés à l'idée. Mais c'était de manière un mouvement qui n'avait pas d'appareil critique, donc où le critique, où la réflexion était un peu mise à la porte pour la première fois. Et c'est vrai que ça a un peu joué à notre défaveur pendant le moment. Et donc c'était, là c'est une peinture de 82, ouais, 83, c'est le premier mois où je suis arrivé aux États-Unis, à New York. Je suis parti à New York en 83, jusqu'à 85 je suis resté. Et donc c'était, là vous voyez, je vais encore avoir de la difficulté. Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est des personnages qui représentent des formes, des attitudes, etc. Moi je ne me suis jamais intéressé au sujet de la peinture, le sujet m'intéresse très peu. Ce qui m'intéresse, c'est la forme. Et comme je suis ni, j'espère que j'ai progressé, mais à l'époque, en tout cas, je n'étais ni un très bon peintre, ni un très bon dessinateur, j'ai inventé une série de personnages, de formes, en fait, qui me permettaient de mettre du rouge avec du vert, du jaune avec du bleu, et des triangles avec des carrés, à ma manière, quoi. Voilà, donc là, le sujet, c'est les Français, les super-héros, mes super-héros français qui essaient de combattre le super-héros américain. Donc il y a toute une... Et donc c'était déjà un croisement, mon travail était déjà un croisement avec tout ce que, toutes les influences qui, en dehors de l'histoire de l'art, bien sûr que j'ai appris comme vous, parce que moi j'ai fait les Beaux-Arts à 7, j'ai fait l'école des arts décoratifs à Paris, et bien sûr j'ai été influencé par Jérôme Bosch, bien sûr j'ai été influencé par Peter Blaine, bien sûr j'ai beaucoup lu ce qu'a écrit Jacques Dubuffet par exemple, j'ai beaucoup regardé Fautrier, j'ai beaucoup fait, et Matisse, c'est une liste infiniment longue. Mais je prenais en compte aussi, et je le prends toujours, sur toutes ces cultures qu'on dit périphériques, qui aujourd'hui sont vraiment rentrées, certaines sont rentrées beaucoup plus fortement dans le domaine du mainstream, de l'art contemporain, que sont le rock, la bande dessinée, l'illustration, les arts bruts, les arts marginaux, l'art commercial, en fait, toutes ces expressions qui ne sont pas considérées. On en parlera tout à l'heure pour quand on va parler du MIAM, mais qui n'était pas considéré jusqu'à présent, mais les choses changent, comme quoi des fois il faut se battre pour faire changer les choses et on y arrive petit à petit, qui était considéré externe à l'art savant, quoi, hein, dirions-nous. C'était un art savant, dirions-nous, qui était nourri de tous les arts populaires. Donc là, on voit toutes les influences de dessiner et compagnie. Je vais essayer de m'échapper de ça en vitesse pour vous refaire voir notre
une autre imagerie. Puis à la fin des années 80, j'en avais un peu marre. Voilà, j'en avais un peu marre de ce travail. Moi, je m'ennuie très vite, donc j'ai très vite changé d'histoire, de style, entre guillemets. Je me suis mis à la peinture à l'huile quand je suis rentré à 7, à 86, puis après. Et à la fin des années 80, je me suis retrouvé un peu bloqué dans mon système. Et cette histoire aussi, il y a une espèce de mode un peu autour de mon travail, de notre travail dans les années 80. Et finalement, ça m'a bloqué parce que c'était pas le métier dont je rêvais quand j'avais 16 ans. Je me retrouvais dans mon atelier à produire, à recevoir les chèques, à envoyer les œuvres aux galeries, aux musées, etc. Et j'avais envie de me remettre en danger. Enfin, c'était pas l'idée de se mettre en danger réellement, c'était l'idée de pas m'emmerder en fait. Hein, parce que moi, je m'ennuie très vite. Et comme j'avais beaucoup voyagé, donc vous avez vu aux États-Unis, en Europe, un peu au Japon, j'avais beaucoup voyagé à cause ou grâce à mes expositions. Et donc il y avait des continents entiers, comme le continent africain par exemple, ou l'Amérique latine, que je ne connaissais pas. Je n'étais jamais allé puisqu'il n'y avait jamais eu d'exposition. Rappelez-vous, fin des années 70, les années 80, on n'avait pas les fondations qui existent en Afrique aujourd'hui, on n'avait pas l'ouverture que l'Occident a fait à toutes les expressions dans l'art moderne et contemporain, comme on peut le voir d'ailleurs dans le très bon accrochage à Beaubourg en ce moment qui s'appelle Postmodernité, Postmodernité, où on remet en perspective l'art moderne avec, c'est-à-dire des années du début du XXe siècle jusqu'aux années 70, on remet en perspective bien sûr les Miro, les Picasso, etc. Mais on les met en perspective des artistes qui existaient aussi à cette époque et qu'on a toujours mis de côté, que ce soit des artistes chinois, africains, latino-américains, etc. Et donc j'avais envie, et moi comme je déteste voyager, je déteste le tourisme, etc., quand je vais quelque part, il faut que je fasse quelque chose. Ça c'est une des premières pièces que j'ai faites, en fait, je me suis retrouvé à Tunis, et pour une exposition de mes gravures à l'Institut français, je sais trop quoi. Et j'avais rencontré un atelier de sérigraphie, qui faisait des autocollants pour les voitures de police tunisienne en particulier. Et donc c'est un atelier qui était très brut, quoi, hein, qui était très, où la nécessité faisait que il bidouillait plutôt qu'autre chose. Et ce qui m'intéressait, c'était justement me confronter à des techniques qui changent, à des techniques, à des manières, à des supports qui changent mon travail. Parce que rien n'est plus ennuyant que de voir l'œuvre qu'on a envie de faire dans la tête et après de refaire la même chose quand on est fini. On n'a aucune surprise, on s'ennuie. Donc moi, c'est que comme je ne suis pas capable d'inventer, de faire des choses que je n'ai pas inventées avant, je me sers de techniques qui perturbent un peu mon travail, qui perturbent les formes, la manière que j'ai de travailler et qui laissent surtout une action à l'artisan avec qui je vais travailler. Alors je vais vous donner des exemples plus concrets. Donc là c'était écrit en arabe, Raymond, c'était l'homme du personnage, et dessous il y a marqué Raymond est un imbécile puisque c'était son leitmotiv. Et ce qui intéressait, c'est des grands autocollants qui étaient tirés à ces 4 exemplaires, qui étaient donc réalisés sur ces plaques autocollantes de format raisin, un peu plus grand que format raisin, en papier. Il y avait une série sur papier argent et une série comme celle-ci sur papier or. Alors après, ça c'était un peu la pré-étape, c'était 89. En 93, je suis parti en Bulgarie et j'ai commencé à travailler avec une technique ancienne, hein, qui est la technique de l'icône. Je m'excuse. Je vais vous trouver un exemple de ça, si j'y arrive. Et puis je dis, si vous voulez me couper pour vous poser des questions, vous pouvez. Non, j'ai pas trouvé là. Voilà. Voilà, ça, c'est un autre exemple, mais ça ira, ça fera l'affaire. Donc voilà, parce que j'en suis aujourd'hui, on ne va pas faire le résumé de tout ça parce que c'est très long et j'ai plutôt envie de parler de l'art modeste après et de tout le travail qu'on fait au mien. Le principe c'était au départ aller quelque part et donc se servir de techniques, de technologies qui ne sont, sont pas quotidiennes, qui ne sont pas dans nos pratiques, quoi. Donc j'ai commencé par la Tunisie, mais ça c'était une espèce de petite expérience. Puis après en Bulgarie, on m'a proposé une résidence et j'ai eu la chance de rencontrer le restaurateur de la galerie. C'est pas cet exemple là, je ne l'ai pas trouvé. Hein. Et j'ai travaillé avec le restaurateur de la Galerie Nationale de Sofia, qui restaurait cette fabuleuse collection d'icônes byzantines qu'ils ont au musée de Sofia.
Et donc j'ai commencé à travailler à cette technique. Et puis après, je suis parti en Afrique, où j'ai travaillé avec des maîtres d'enseigne. Je suis parti, ça c'était au Ghana, au Vietnam, j'ai travaillé avec les maîtres laqueur. Et là, c'est un exemple du Mexique. Alors, vous voyez au Mexique, ma première étape où j'ai utilisé plusieurs techniques. Parce que devant l'immensité, le potentiel énorme des différentes techniques artisanales que ce pays a, il y a quasiment chaque village au Mexique a une technique et développe, par exemple, il y a un village qui va faire les objets en paille, un autre village qui va faire que les guitares, un autre village qui va faire que la terre cuite, les Tépecs par exemple, ils font que les arbres de vie. Et donc, j'ai utilisé plusieurs techniques. Alors l'intérêt justement, on parlait de colonialisme, justement l'intérêt, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui commencent, depuis la fin des années 90, à faire réaliser, alors c'est pas travailler avec des artisans locaux, mais c'est plutôt faire réaliser par des artisans certaines pièces, comme Prison Perry, je sais pas si vous connaissez. Moi l'intérêt c'était de pas de faire réaliser une maquette précise qui va être réalisée à l'échelle voulue, dans les techniques voulues, mais c'était surtout d'utiliser ces techniques et donc de m'obliger à... par exemple, là, le cadre, c'est une technique de lac qui est faite à Huinala, qui est dans l'état du Guerrero, près d'Acapulco. Le cadre, c'est une technique, c'est des lacs végétales qui sont en fait grattés. Il y a une couche de blanc, et par-dessus une couche de rouge, et après vous enlevez le rouge pour refaire apparaître là la couleur blanche. Et donc, il y a bien sûr des choses impossibles à faire. Et c'est là où le challenge m'intéresse, et surtout, je laisse aux artisans la main libre, quoi. Hein. Je les laisse transformer mon œuvre à dessin. Je vais essayer de trouver un exemple plus probant. J'aime pas quand il y a des blancs, mais... Je... Pas chez moi. Voilà. Voilà, là c'est un exemple. Voilà, ça c'est un exemple sur lequel on peut parler. Ça c'est le travail, je travaille à Foumban, qui est une ville à 4 heures au nord de Douala, au Cameroun. C'est un village très peuplé, très connu. L'ennemi majoritaire de cet endroit s'appelle les Bamou. Et à Foumban, a la particularité d'être un endroit où il y a beaucoup d'artisans. Et c'est un des endroits de l'Afrique de l'Ouest, je crois que c'est l'endroit de l'Afrique de l'Ouest qui produit le plus de copies d'objets. Dit primitif ou premier africain, mais alors de tout le côté africain, il ne faut pas forcément des objets bambous. Et donc, il y a une quantité d'ateliers, en fait, c'est des micro-ateliers de 2, 3, 4, 7 personnes qui travaillent le bois, le bronze, la perle, etc. Et donc, j'ai fait toute une série de. Et donc, j'y travaille là-bas depuis 2003. Je continue à travailler avec eux. En fait, c'est pas. D'habitude, c'est des projets qui sont clos dans le temps. C'est des fois. C'est un projet qui peut durer un an ou deux. Le projet du Vietnam ou du Mexique, c'est des projets qui ont duré pendant 4 ans, parce que c'est des projets techniquement un peu lourds. Au Vietnam, par exemple, je vous ferai voir des exemples de lacs avec la nacre incrustée. Entre le moment où je conçois la surface de la peinture et le moment où je vais faire les finitions, où je vais pouvoir peindre, il y a 6 mois qui se passent. C'est le temps de mettre les 10 couches de laque préparatoire, le temps d'incruster les morceaux de nacre que j'aurais préalablement dessiné chacun sur une feuille de calque. Donc vous voyez, il y a des distorsions de temps qui changent complètement la manière dont je travaille. Et là, ce qui est intéressant, au Cameroun, à Foumban, j'ai décidé en fait que ce serait des ateliers permanents finalement et que ce ne serait pas un projet fixe dans le temps. Parce que c'est des gens à qui je me suis. Il y a des ateliers avec qui on s'est attaché, Jean Cesser qui produit l'opération et qui s'en occupe. D'ailleurs, il est en ce moment actuellement, il est là-bas pour finir la réalisation de plusieurs pièces, pour superviser un petit peu, direz-vous, et puis surtout il va les payer. Parce que l'idée, justement, je prends cet exemple de travail en Afrique, parce qu'en Afrique, j'ai fait une grande série à l'Afrique du Sud avec les Zoulous, qui c'était des travaux de perles, des travaux. Avec des câbles de téléphone tressés. J'ai fait un projet au Bénin, à Porto Novo, avec Romuald Lazoumé, qui sont des appliqués, parce que la Bombay, c'est le royaume de l'appliqué, vous savez, c'est des tissus qu'on coud comme le drapeau. En Éthiopie, à Addis Abeba, j'ai fait un projet avec des peintures sur peau, comme dans la tradition des peintures qui soignent. Vous savez que l'Éthiopie, c'est le seul pays où l'image soigne.
Ça, c'est une image et médicale. On fait des images sur des rouleaux de peau d'agneau ou de bœuf qu'on roule dans des boîtes en métal et qu'on porte un bain de bière pour soigner telle ou telle maladie. C'est la première fois, tous mes voyages, c'est la première fois que je vois un pays où l'image soigne. Donc vous voyez que sur le continent africain est vraiment très vaste et très différent. J'ai fait ce projet en Tunisie, j'en ai fait un autre au Ghana aussi. Voilà, mais à Feumban, j'ai eu envie aussi de développer ces ateliers. Parce qu'il n'y a jamais d'histoire d'humanitaire ou de pays émergents dans mon travail. Moi, je travaille toujours qu'avec des artisans qui ont pignon sur rue, c'est-à-dire des artisans que ce soit au Mexique, à Saigon, à Feumban ou ailleurs. C'est des gens qui n'ont pas besoin de moi réellement, qui ont déjà leur travail, qui font des commandes de tel ou tel. Parce que c'est quoi la différence entre un artisan et un artiste? Parce qu'on dit, oui, mais tu travailles avec des artistes. Donc, je travaille avec des artisans. Les artisans, sont des gens qui ont une technologie pointue, souvent, qui a que qui savent faire, et qui reproduisent de génération en génération. Alors, chaque génération, des fois, même une petite différence, mais l'important, c'est que chaque génération perpétue cette pratique, cette tradition. Comme par exemple, quand j'ai fait les arbres de vie, qui sont des grandes sculptures en terre cuite peinte, à Metepec au Mexique, c'était le petit-fils ou l'arrière-petit-fils, c'était son arrière-grand-mère qui avait commencé ce travail. Et chaque génération, on voyait que chaque génération amenait un sujet de plus, mais ne changeait rien. Alors que l'artiste, normalement, l'artiste, surtout depuis le 18e, surtout depuis le 19e, doit amener une nouveauté, il faut que ce soit une chose différente. Vous avez beau, vous qui êtes la plupart c'est des élèves, non, qui doivent passer, qui doivent aller dans une plus grande école d'art, c'est ça, en fait. Si vous pouvez peindre merveilleusement bien, ça n'intéressera personne. Il faut la peindre, c'est de la pomme, il faut la peindre non seulement merveilleusement bien, mais surtout la peindre différemment de tout ce qui a été peint avant, quoi. Parce que c'est tout le temps ça le problème, c'est comment peindre une pomme de manière différente. Le problème, il est simple dans ton boulot, hein. Enfin, il est simple, et en même temps, c'est extrêmement difficile. Hein. Donc moi, je me sers de techniques d'autres. Hein. Là, par exemple, c'est des panneaux de bois qu'il faut remettre sur eux. Et je travaille avec... Et donc, c'est dans la tradition, l'ethnie Bamoun et l'ethnie Babileke, qui sont proches, ont beaucoup de chefferies qui sont reconnaissables parce qu'ils ont des grandes colonnes de bois et des grandes portes sculptées, comme ça, en bas-relief. Hein. Et donc là, c'est toute une histoire, en fait, c'est une histoire... C'est une histoire où dans le village Bamoun, il y a des robots géants qui arrivent et qui détruisent tout. Et à la fin, eux, grâce à leur savoir fétichique et leur savoir de guerre, etc., ils arrivent à les vaincre. Et à la fin, ils les démontent pour vendre les pièces sur le marché. Et là, par exemple, c'est des dessins que je fais au format très précis, en noir et blanc au trait, où j'indique plus ou moins les rogues et les bosses. Et souvent, c'est bête parce que j'ai pas les deux ou trois images. Et je donne la même image à deux ou trois ateliers différents. Et donc, chaque atelier va, et je les laisse faire. Quoi. Je vais pas leur dire, là, non, vous êtes trompés. Je veux surtout qu'ils respectent le dessin. Hein. Ils ont un contrat, ils sont payés pour respecter le dessin. Mais après, l'interprétation de certains creux, de certaines bosses, de comment ils vont occuper une surface, ça, je leur laisse la liberté entière. Donc c'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un qui me disait dernièrement que j'étais le seul artiste post-colonialiste parce que justement, moi ce qui m'intéresse c'est que ma main soit challengée par la main de l'autre et pas utiliser uniquement la main de l'autre pour son savoir-faire. Parce que si je voulais faire des bas-reliefs en bois ou des sculptures en bronze, je peux faire une maquette, aller chez un ébéniste en Europe, comme en Allemagne, comme fait Jeff Koons par exemple, ou en Allemagne ou en Suisse, et il me refera la maquette au format où je veux de manière impeccable. Mais le propos n'est pas celui-ci. Le propos, c'est d'essayer de voir comment l'autre intervient dans le travail, comment il peut changer, et surtout enlever cette mythification de l'artiste, de la signature, de la main, du trait, du style. Voilà, ça c'est des problèmes quand même qui sont très importants aujourd'hui. Alors je vais quand même vous faire voir d'autres images, c'est difficile de faire voir en même temps. Peut-être que j'aurais dû faire le... Je suis con parce que... J'aurais dû faire peut-être faire un diorama, non, au fur et à mesure. Ah voilà, voilà. Voilà, je vous parlais des arbres de vie là, vous voyez. En plus, à la lumière, je vois rien. Vous voyez, je ne suis pas un professeur de la conférence, hein, vous m'apercevez. Hein. Voilà.
Bon, voilà, c'est les arbres de vie dont je vous parlais, que j'ai fait, j'en ai réalisé une... Celui-là fait 1 m 40, 1 m 50. J'en ai fait un grand qui fait 2 mètres et qui est à Beaubourg aujourd'hui. Et en fait, c'est la famille Métépec, la famille Sauténo à Métépec qui font et qui vivent très bien. Hein. C'est une mini entreprise familiale, c'est toute la famille à travailler là-dedans. Ils ont des très beaux locaux, enfin des locaux à la mexicaine, mais ils réalisent pour les foires, pour les musées d'art populaire mexicain, pour la foire universelle qu'il y a eu, je ne sais pas où, pour le pavillon mexicain, ils vont réaliser. Donc, mais je les laisse aussi, c'est pas moi qui vais réaliser les personnages à terre cuite. Je vais leur faire des dessins le plus précis possible, des fois des vagues, petites maquettes. Mais ce qui m'intéresse, c'est eux, comment ils vont transformer mon dessin et mes volumes. Voilà. Et tout en gardant cette structure qui est la leur. Et bien sûr, ils sont payés pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, parce que ça, c'est très important, parce que je me suis beaucoup posé ce problème-là dans certains pays. C'est pour, parce qu'on pourrait taxer mon projet d'exotique aussi. C'est pour ça qu'après, vous allez voir, j'ai commencé à faire des projets. J'ai fait aussi un projet en Corse, j'en ai fait un aux États-Unis, à Miami. J'en ai même fait une étape à Paris, puisque je suis revenu à Paris en 2006. Moi, je ne suis pas de Paris, donc c'était... Même si j'ai vécu à Paris depuis que je suis arrivé aux arts décoratifs en 1978, vous voyez, il y a 35 ans, je ne suis quand même pas de Paris. Donc j'ai voulu aussi faire de Paris une étape où c'est lié. Vous voyez, donc il n'y a pas... dans ce projet, il n'y a pas l'ailleurs lointain. Là, il est loin parfois, il est près parfois. Et j'ai voulu aussi rendre compte dans les nouveaux projets que j'ai faits, comme le projet de Séville, ou le projet de Paris ou de Miami, j'ai voulu rendre compte aussi du travail de l'homme, mais vu par moi. Je vais vous faire voir d'autres exemples. Voilà encore une œuvre du Mexique aussi. Avec le cadre pulpeur. Le pulpeur, c'est une espèce de faux argent qu'on moule pour faire les plats, les cadres, tous les objets touristiques. C'est une espèce de faux argent. Voilà, donc on a fabriqué. Ça, j'ai travaillé avec des entreprises. C'est plutôt des toutes petites unités de production. Alors, on en vient. Voilà. Là, par exemple, là, c'est le projet de Miami. Vous voyez. Je me suis posé la question aux États-Unis avec quelle technique, parce que c'était moi qui avais voulu casser un peu le rom-rom de faire les peintures, faire une exposition, les vannes, puis après attendre l'exposition dans le musée, puis après y aller. Moi qui avais voulu casser ce rom, je me suis retrouvé au bout de 10 ans, j'ai commencé donc ce projet à la fin des années 80. Là, je me suis retrouvé en 2000-2002 après le Mexique en me disant putain, mais je refais pareil parce que je vais quelque part. Je trouve des artisans, des images qui m'intéressent, des formes, des manières de travailler, des techniques, des technologies, etc. Mais finalement, au bout de 10-15 ans, moi, je reviens dans une espèce de ronron, d'automatisme presque, et c'est ce que je ne voulais pas. Et je me suis posé, donc, en allant à Miami, je me suis dit, je vais faire un projet aux États-Unis, comme ça. Là, on ne pourra pas dire que je travaille avec des artisans, avec des techniques anciennes, parce que le problème aussi de la technique traditionnelle m'intéresse peu. Hein. On s'est souvent trompé aussi en disant « ouais, vous utilisez des techniques traditionnelles ». Parfois, quand je travaille sur les icônes à Sofia avec la tempera, qui sont des peintures en fait avec du jaune d'œuf et du pigment, ça c'est une technique très traditionnelle. Mais quand je vais travailler au Ghana avec des peintres qui font des enseignes pour les coiffeurs, ou voilà, c'est une espèce de technique traditionnelle, c'est une picturalité qui se mélange avec l'Occident, avec notre culture urbaine. Et c'est ce résultat qui m'intéresse. On va reparler pour l'art modeste, parce que pour l'art modeste, c'est très important cet aspect dans les arts dits premiers et primitifs que les ethnologues appellent dévoyés, c'est-à-dire qu'ils ont été au contact de l'Occident. C'est à ce moment-là, moi, que ça m'intéresse. C'est à ce moment-là, parce qu'on sous-estime trop les artistes et artisans des continents hors-Occident, hors-États-Unis, hors-Europe, on les sous-estime, parce que là, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, que c'est pas pareil. On les sous-estime dans le fait qu'ils n'ont pas cette vision. Ils ont cette vision, mais c'est eux qui récupèrent notre imagerie, qui la transforment, et c'est pas nous qui leur imposons notre imagerie. On leur impose certainement nos structures financières et commerciales, mais au niveau de la culture, eux récupèrent beaucoup plus
que ce qu'on leur impose. Et ça, j'ai trouvé ça, et ça, je l'ai découvert au fur et à mesure, de manière empirique, au fur et à mesure du voyage. Donc, à Miami, le matériel qui me semblait, surtout en Floride, le matériel qui me semblait le plus évident, c'était la résine. La résine polyester, pourquoi ? Parce que c'est avec ça qu'on fabrique tout le rêve américain, hein, tous les parcs d'attractions, les yachts, les bateaux de course, ça fait toutes les conneries là, pour les vacances. L'anglo-saxon, je pense qu'il y a des vacances anglo-saxonnes, des vacances méditerranéennes, c'est pas pareil. Et donc j'ai utilisé cette matière. Donc voyez le déplacement. Et surtout, j'ai commencé à regarder. Et surtout, j'ai essayé de regarder le travail à l'extérieur. Et c'est là où je me suis remis à peindre aussi. Enfin, je me suis, j'ai jamais arrêté, mais j'ai voulu. Voilà, ça que je voulais faire voir. L'œil, comme on m'a dit. Un merdier, vous êtes. Comme ça, vous voyez là. Donc là, c'est que des paysages. C'est une série, c'est des paysages de bâtiments. Vernaculaire, dirions-nous. Hein. Et j'ai fait la même chose, on ne le regardera pas dans le temps, j'ai fait la même chose sur Paris aussi, parce qu'on a tout le temps une idée, que ce soit Paris ou Miami, on a l'idée de, à Paris, on a l'idée de la Tour Eiffel, du Grand Palais, à Miami, on a l'idée de South Beach, de Coral Gables, tout ça à droite. Mais en fait, c'est des villes énormes, Miami est une ville énorme, il y a des réseaux de routes et des bâtiments extraordinaires, des bâtiments vernaculaires extraordinaires, parce qu'ils n'ont pas de règles comme chez nous, où quand on construit, on doit avoir des toits de telle forme, des volets de telle forme, etc. Là-bas, autour du pareil du pipède que le type achète, il peut faire tout ce qu'il veut en termes de décoration. Et donc, c'est cette activité humaine qui m'intéressait à rendre compte, quoi. Une espèce de rendu. Je rends compte du travail de ces hommes. Et j'ai fait pareil à Paris, pour le nord de Paris, parce que jamais on voit le périphérique, le 18e arrondissement, le 20e arrondissement. On ne voit jamais ça dans les documents touristiques parisiens. Et pourtant, c'est là où ça se passe. C'est là où les gens vivent. Souvent, c'est de là que vient la création. On s'aperçoit, parce que je me suis aperçu, que finalement, des années 60 aux années 90, on s'aperçoit que les grands mouvements picturaux en France viennent souvent hors de Paris. Hein. Les mouvements réalistes, c'était Nice, Marseille. Support surface, c'était Nîmes, Montpellier. La figuration libre, nous, il y en a pas mal qui sont de 7. Où René Blanchard qui était breton, il n'y avait que le parisien dedans, c'était François Moron. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, beaucoup pas mal d'artistes et aussi d'acteurs, de one-man show, etc., viennent de ce qu'on appelle les banlieues. Regardez Jamel, tout ça, ils viennent de Trappes, des banlieues lyonnaises, des banlieues parisiennes. Donc, on s'aperçoit que c'est ces endroits qui ne sont pas importants, ces endroits du commun invisibles. Hein, à l'étranger, puisque quand l'étranger va venir à Paris, il va aller visiter la Tour Eiffel, il va aller visiter le Grand Palais, il ne va pas aller dans le 18e, à Barbès, là où j'habite, quand je suis à Paris, il ne va pas aller là. Et pourtant, c'est là, c'est à Bobigny, c'est à Gennevilliers, c'est dans la Seine-Saint-Denis, c'est là où sont aussi des gens qui vivent et qui vont aussi être des créateurs, de là que vont sortir des créateurs. On a Jamel Tata, par exemple, qui est un artiste qui vient, je ne sais pas d'où, mais qui en tout cas est dehors de Paris. Donc ce système continue en fait à perdurer. On s'aperçoit que souvent, les créateurs, en tout cas en France, viennent souvent de l'extérieur de Paris. Et aujourd'hui, ils viennent beaucoup de ces quartiers, de ces banlieues, de ces périphéries. Et ça rejoignait cette idée de revaloriser ce genre d'endroit. Bon, je vous ai un peu cassé les pieds avec mes... Attendez, je vais vous refaire voir quand même d'autres exemples. Voilà. Je retrouve. Voilà, ça c'est une sculpture. Je comprends pas pourquoi. La flèche en haut à droite, c'est-à-dire la flèche. Ah oui, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Voilà, ça c'est un exemple aussi du Cameroun. Je vais parler de. C'est une pièce qui fait 3 mètres de haut. Donc c'est une partie, c'est en bois, avec des recouvrements de laiton et de perles. Ça, vous pourrez la voir, cette pièce, au musée de Quai Branly, à partir du 3 mars. Il y a une exposition qui commence le 4 mars. C'est juste pour vous faire voir des exemples. Après, si vous avez des questions, moi je préfère avoir des questions que parler comme une conne tout seul. Alors, ça, c'était le cabinet de curiosité au Mexique. Ça, c'était une série de grandes pétitions que j'avais fait au Mexique aussi. Parce que, qui est en liaison avec tous les grands muralistes.
etc. Mais ce n'était pas ça que je voulais vous faire voir. C'était ça, voilà. Voilà, par exemple, ça c'est une pièce qui doit faire 1 mètre 10 sur 1 mètre, un truc comme ça, qui est réalisé entièrement en sequins. Vous savez, les sequins, c'est une espèce de perle plate qu'on met sur les costumes, les paillettes, qu'on appelle, hein, qui sont en fait cousues. Chaque pièce plate est cousue et tenue par une perle. Donc vous imaginez le travail que c'est. C'est à peu près, c'est presque 2 mois pour faire une pièce comme ça. Et là, j'ai travaillé avec la, et là, c'est le projet, pour moi, c'est l'étape à Haïti, mais je ne suis jamais allé à Haïti. Alors, c'est là où le projet était intéressant. En fait, il ne suffit pas, c'est pas un projet géographique, c'est un projet humain. Et à Miami, il y a une énorme communauté haïtienne dont on parle très peu, on parle tout le temps des Cubains, mais la communauté haïtienne est énorme, il y a des quartiers entièrement où on parle français, hein, on parle français et créole. Et donc, j'ai travaillé avec cette communauté haïtienne pour réaliser. Donc, le projet, j'essaie de vous expliquer tout ce que n'est pas le projet. Après, ce qu'il est, vous l'apercevrez vous-même ou pas. Je fais quelques petits exemples. Hein. Voilà. Voilà. Ça, c'est les peintures sous verre. Hein. C'est ce qu'on appelle appliquer sous verre. Hein. C'est mettre sur eux. Et c'est en fait, ça, j'ai réalisé ça avec un artisan très reconnu à Tunis. Qui fait ces appliqués sous verre qui sont souvent et c'est rigolo parce que c'est des images qui sont les images qu'ils font c'est des images qui sont pas vraiment religieuses c'est des rares images dans un pays musulman qui lient le profane et le religieux et qui restent à la tradition et ça m'intéressait de travailler avec ce genre d'artisan qui est artiste là parce qu'aussi il a une part de son travail qui sont des créations mais qui font plutôt peinture occidentale école de Paris années 70 souvent mais et là, vous voyez bien que c'est pas mon trait, par exemple. Vous voyez bien que ce sont mes personnages, mes couleurs, tout ça, mais que le trait n'est pas le mien. Parce que, justement, j'ai laissé l'artisan interpréter. Bien sûr, j'ai fait la maquette sur calque exactement au format. Chaque couleur était déterminée parce qu'il y a une palette de couleurs très spécifique qui était déterminée. Mais après, je le laissais lui. Ce qui m'intéressait, c'était que lui le réalisait. C'était que lui, pour le meilleur ou pour le pire, transforme mon travail. Et finalement, des fois, je m'aperçois que c'est un petit peu les problèmes que se posaient les artistes des années après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on a appelé l'art informel. Et en particulier, Fautrier et Dubuffet de cette période. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient ? Moi, j'ai un truc qu'il faut absolument que vous lisiez, c'est les carnets d'atelier de Jean Dubuffet. Parce qu'il raconte ses cuisines, comment il fait. En fait, on s'aperçoit de l'amusement qu'il a à trouver, en mélangeant des matériaux qui sont antinomiques. Par exemple, il mélange de la peinture à l'huile, de la peinture acrylique, il s'aperçoit que ça craquelle, que ça fait des trucs, et il utilise ça. Et donc, en fait, ces artistes-là, bon, on pourrait parler de tel, enfin, il y en a plein d'autres, mais Fautrier et Dubuffet sont deux bons exemples, à mon avis, on s'aperçoit qu'en fait, eux aussi se servaient des matériaux avec lesquels ils travaillaient pour être surpris, pour que leur œuvre prenne une autre dimension que leur simple petit talent, quoi, parce qu'en fait, utiliser que son, un artiste ne doit pas utiliser que son petit talent. Il faut qu'il ait une vision beaucoup plus large de ce qu'il doit apporter à l'humanité et au monde. Parce que si vous êtes là que pour gagner votre vie, il vaut mieux faire autre chose. Hein. Donc il vaut mieux avoir une idée d'essayer d'apporter quelque chose au monde. Il faut toujours avoir une idée très haute et pas viser juste gagner sa vie ou exposer à telle galerie ou faire ci ou faire ci. Il faut essayer de amener à l'humanité ou au monde une idée, bonne ou mauvaise, mais en tout cas, que vous défendez un point de vue, en tout cas, un point de vue que vous allez essayer toute votre vie de développer, parfois de changer, comme moi, hein, je change d'axe, mais c'est tout le temps un point de vue différent que j'essaie de défendre. Bon, alors là, bon, vous en avez marre des peintures, on passe à autre chose. Non, mais dites-moi, hein, on fait l'année interactive là. Non, comme à Bayonne, vous n'avez jamais vu mes peintures, on m'a dit que vous ne connaissiez pas, maintenant vous allez être emmerdé. Hein. Là, je vais vous faire voir un dernier exemple, attendez, je me réponds, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Ah voilà, de Séville, bien là, voilà. De Séville. Voilà, ça c'est la dernière expo qui était à Paris. Alors il y a deux projets. La dernière expo qui était à Paris, mon docteur, c'est un travail qui m'a pris 4 ans. Parce que vous savez, il y a un truc, c'est que moi, quand j'avais votre âge, je pensais, je me suis dit, quand j'aurai 50 ans, ça sera facile à peindre. Là, peut-être je galère, mais je suis jeune, je ne sais pas bien dessiner, je ne sais pas bien peindre, etc.
Et en fait, on s'aperçoit qu'après, c'est encore plus dur. J'ai jamais de ma vie, j'ai mis autant de temps pour faire une exposition qu'on était là. Dans le projet ACI était un projet sur une majorité religieuse. Vous voyez, j'avais sur une majorité religieuse, je ne voulais pas le dire. Mais... parce que moi, la spiritualité, c'est des choses trop personnelles pour moi pour en parler dans le travail. Mais depuis le Mexique, j'étais fasciné par ces racines catholiques que j'ai, moi, qui sont remontées en fait. Parce que je suis. Mon père est d'origine italienne, ma mère d'origine espagnole, je suis né à 7, donc vous imaginez bien que j'allais au catéchisme quand j'étais petit. J'avais pas autre solution. Et c'est vrai que j'ai renoué avec, cette spiritualité, et j'ai renoué surtout avec ces images-là. Et déjà au Mexique, j'avais eu un gros, à travers les exotos, à travers toutes ces accumulations, à travers toutes ces interprétations du christianisme que les Indiens sur place ont fait, obligés d'ailleurs par l'invasion espagnole, mais en même temps en transformant, en liant, en syncrétisant, parce que, comme à Cuba, comme au Brésil, il y a ce syncrétisme entre les croyances de base et puis le christianisme qu'on leur ramène un peu de manière imposée. Et là, donc, j'ai créé, et je me suis aperçu aussi qu'à Séville, il y avait Sainte Vierge, parce qu'il y a Sainte Confrérie, ils ont chacun leur Vierge. Alors, il y a la Vierge de l'amertume, il y a la Vierge, il y a même la Vierge des bons livres, il y a la Vierge du souterrain, enfin, il y avait des Vierges de tout, sauf de l'art contemporain. Donc, j'en ai fait une, j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait cinq en fait, et voilà une. Ça fait à peu près un mètre de haut, et c'est des broderies. C'est entièrement brodé par des brodeuses. C'est une jeune fille en fait française qui a appris la broderie avec la confrérie de la Macarena, qui est la Vierge la plus connue de Séville, et qui a appris pendant 3 ans, parce qu'il y a certains points qui sont brodés d'une certaine manière. Vous voyez, c'est la cape. Mais il faut vous imaginer que ça fait quand même un autre. Voilà. Et parallèlement, là je commence bien à. On me servir de sa tête. Et parallèlement, je me suis reposé aussi, là aussi. Et donc, vous voyez, je n'ai pas travaillé spécifiquement avec les artisans de Séville. J'ai travaillé avec quelqu'un qui avait appris là. Parce que je veux. Il faut toujours casser les habitudes, les anecdotes. Parce qu'à la fin, c'était facilité tout le temps. On m'interviewait, on me disait: ah oui, alors, vous allez dans ce pays lointain et vous rencontrez des artisans qui ont des savoir-faire extraordinaires. Et donc vous nous faites partir, vous faites rêver. C'est pas du tout ça le propos. Déjà, j'y vais parce que c'est votre travail. C'est pas moi qui l'utilise, c'est des gens qui travaillent pour moi, mais qui n'ont aucun intérêt dans votre travail. Alors, certains après, par la suite, mais c'est des gens qui ont leur atelier, ils s'en foutent de l'histoire de l'art, de leur contemporain, mais c'est leur job, ils en vivent, ils le font très bien. C'est déjà, en général, j'ai jamais rencontré un artisan qui m'a planté, ni au Mexique, ni sur le continent africain, ni en Asie, ni nulle part. C'est toujours des gens, et surtout on croit qu'en Afrique, pas du tout, c'est des gens très sérieux, donc il faut être là. Et donc, ça fait que, comme je vous l'ai dit, déjà ce projet prend, depuis 3, 4, 5, 6 ans, là, prend des dimensions différentes, et il y a une espèce de retour à la peinture, en fait. Je parle difficilement de peinture, parce que je préfère parler d'image, parce que je pense que depuis le 19e siècle, il n'y a plus personne qui sait peindre. Donc moi je préfère parler d'image, et que beaucoup devraient parler d'image plutôt que de parler de peinture aujourd'hui. Voilà, alors, donc là c'est un aparté un peu comme. Voilà, ça vous savez, c'est ces fameux passes, c'est des hôtels portatifs qui sortent une fois par an, pendant Pâques. Et dans l'intérêt, bon là, c'est con de le voir en photo parce qu'il faut le voir en vrai, c'était. L'histoire c'était, je voulais. Parler de la peinture espagnole. La peinture espagnole, pour moi, c'est la matière, quoi. Alors, c'est vrai que ça va de Goya, passant par Tapiès, jusqu'à Barcelo, Sicilia. Donc, c'est une peinture, pour moi, qui a tout le temps eu cette matière prédominante. Et je voulais lier cette matière. Il y avait une liaison aussi avec tous les peintres de l'informel dont je vous ai parlé, comme Fautrier, comme Le Bouffet, ces peintres. Et aussi, ma grande passion depuis que j'ai certains outrages, depuis que je suis arrivé à Paris, en 2018, depuis que je m'intéresse un peu, depuis que j'ai 17 ans, 18 ans, que je vais plus voir dans les musées, tout ça, parce que vous avez de la chance, aujourd'hui on a des musées, on a de tout, mais moi quand j'habitais à 7, j'avais 18 ans, il n'y avait rien. Il fallait faire une nuit de train pour aller à Paris pour voir une exposition. Donc la première œuvre que j'ai vue en vrai de ma vie, j'avais 18 ans, je suis arrivé à Paris, avant je n'avais vu que des reproductions. C'est peut-être pour ça d'ailleurs
que les reproductions étaient en même taille que les cases de bande dessinée. C'est pour ça qu'il y avait une espèce de syncrétisme. Moi aussi, j'ai fait mon petit syncrétisme religieux, profane, interne. Et donc là, l'idée, c'était de mêler cette histoire de la matière de la peinture espagnole. C'était de parler, de renouer avec cet art informel et aussi de reparler du collage. Moi, je suis, et de revenir à mes premiers amours que sont Matisse. Parce que moi, par exemple, tout le monde croit que j'ai été très marqué par Picasso, mais franchement, depuis toujours, c'est Matisse, c'est moi qui m'a le plus marqué. Et c'est le roi Sommer, je crois. Donc, la tristesse du roi, cet énorme collage qui est à Beaubourg, qui m'a impressionné. J'ai vu ça quand j'avais 17-18 ans, la première fois que je suis à Paris, et ça m'a et depuis. Et donc là, c'est une série de peintures qui est faite sans pinceau. Voilà, puis aussi, j'adore Pérec et Loulipo et tout ça. Donc des fois, je me donne des règles. Là, je voulais faire une série de peintures sans pinceau. Et donc voilà, c'est des peintures sans pinceau. Donc c'est que des plaques de peinture préparées sur des plaques de verre et découpées. Ou alors, tous les faits. Puis aussi, il y avait ce côté, vous allez voir avec le mien, ce côté récupération. Moi, je suis contre la société du jeté, de la production, de la consommation, tout ça. Et donc, j'avais des tas, comme je suis pas très soigneux, j'avais des tas de peintures, des pots de peinture sèche, etc. Et j'étais tout le temps désolé devant ce gaspillage. Et grâce à cette série de peintures, j'ai pu tout les réutiliser. Vous voyez, si vous... ça se voit un peu. Hein, c'est des morceaux de peinture qui sont collés dans de la peinture avec de la peinture. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait un petit... on a fait un petit survol rapide. Rapide, mais... mais j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser des questions. Non, personne? Vous avez la flemme? C'est ça, en fait, vous avez la flemme. Tiens, je vous refais encore une œuvre du Cameroun, alors. Hop. Pour la peine, tapez pour eux. Et là, vous voyez qu'il y a une partie en bois et une partie en bronze. Donc, il y a une pièce en bronze. C'est des bronzes faits à la cire perdue, c'est-à-dire unique, quoi. C'est... le bronze infusion qui va remplacer la couche de cire qu'on aura mis préalablement sur le socle de terre et recouverte de terre. Et voilà, et donc on sent l'influence aussi des fameuses sculptures Bakongo ou Fétiche à clous, que j'ai toujours adoré. Mais là, c'est des robots, hein. ça fait pas. C'est pas un fétiche, ne vous inquiétez pas. Ça va pas vous porter malheur. Bon, on va passer au bien, hein. Allez. Ah si, une exclusivité, je vais faire voir. Tiens. Hop. Ça, c'est le travail que je suis en train de faire à Tel Aviv. Alors, Tel Aviv, c'est un projet, on va en parler parce que c'est un projet justement qui casse un peu cette habitude. Voilà. Le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était l'habitude. Moi, je déteste l'habitude et ce que j'aime, c'est la nécessité. Parce que souvent, la nécessité fait qu'on fait des choses qu'on n'aurait pas fait. Et je pense que les peintres, comme les artistes, comme les écrivains, regardez Balzac, s'il n'avait pas eu besoin d'argent, il n'aurait pas fait autant de livres que ce qu'on peut lire. Donc, c'est la nécessité qui a fait ça. Et beaucoup d'artisans africains ou ailleurs, d'ailleurs, font des choses parce qu'ils ont besoin de vivre pour les vannes. Il ne faut pas pour l'histoire de l'art, pour être plus fort que l'autre, plus malin, plus nouveau, etc. Il faut pour les vannes, pour vivre. Et ça, j'ai toujours eu un grand respect pour ce côté-là. Et moi, d'ailleurs, quand j'ai commencé, et c'est une grande différence en 1979, quand j'ai commencé à peine, on dirait un peu sérieusement, et en 80, 81, quand j'ai commencé à exposer et à être acheté un peu sérieusement, l'idée de vendre mon travail était très importante. L'idée de ne pas être, je m'excuse, je dis l'idée, je ne voulais pas être prof, je ne voulais pas être subventionné par l'État, je voulais vraiment, j'avais cette idée où je n'avais pas besoin de l'aide de l'institution, et il me semblait, je suis revenu là-dessus, hein, j'ai compris vite que le monde du libéralisme privé, et vous racontez une anecdote d'ailleurs avec le mien, que vous allez comprendre pourquoi. Et donc c'est souvent cette nécessité qui fait que, et donc quand j'étais jeune c'était très important, et d'ailleurs j'étais très critiqué pour ça. Hein, on disait que je faisais du commerce, etc. Alors que pour moi c'était très important de pouvoir vivre, et c'était pas, et on parlait d'argent à l'époque, ça n'avait rien à voir avec... l'argent dont on parle aujourd'hui dans l'art contemporain, hein. Il faut quand même remettre les choses en place. Notre,
notre petit start system des années 80, notre petit marché des années 80, quand j'y repense aujourd'hui, quand je vois, même en France, hein, même en Europe, je ne parle pas des Américains, même en Europe, quand je vois les artistes qui ont des armées d'assistants, qui ont des petites entreprises, etc., on était, moi j'étais, on était quatre et on était bien loin de ça. Hein. Vraiment, c'était. Et on nous accusait pourtant de vil commerce, de ne pas suivre les règles du jeu, etc. Alors c'était une idée très saine, je dois dire, de ne pas être adoubé par l'institution et d'essayer de vivre soi-même de ce qu'on fait. Vous voyez, et ça, c'est une idée, c'était peut-être que je suis d'origine modeste et que, bon, on avait cette idée du travail était importante pour moi et Robert Combas, d'ailleurs, parce qu'on est de la même ville, de la même classe sociale, de la même, entre guillemets. C'était très important, ça, cette manière de vivre. Et là, je vous parle de ça parce que le projet de la vie, c'est la première fois qu'on me copine qui me dit, ouais, tu allais dans le monde entier, bien sûr, c'est une copine juive, et qui me dit, tu allais dans le monde entier, une amie. Tu allais dans le monde entier, mais jamais tu es allé en Israël, et tout ça. J'ai dit, mais Israël, est-ce un pays déjà? Bon, alors là, ça commence une discussion, parce que moi, je venais d'une tradition de la fête de l'humanité des années 80, quoi, hein, où il y avait le pavillon palestinien, etc. Non, et donc, en fait, je lui dis, écoute, on y va, ça marche pas, tu perdras pas grand chose sur le prix de voyage de séjour. Et si ça marche, si je vois, si j'ai envie de faire quelque chose, on le voit. Et finalement, ce pays m'a. Parce que c'est un pays, en fait. Quand on y va, je pense que c'est un pays, malgré tous les problèmes et toute la réalité inhérente à cette situation, on s'aperçoit en fait qu'on ne sait rien, que c'est très différent de ce qu'on peut penser, que c'est beaucoup plus compliqué, qu'il n'y a pas les bons et les méchants, que c'est. C'est vrai. Et donc j'ai accepté le challenge. C'était il y a 4-5 ans, et comme je ne pouvais pas y aller longtemps, j'ai décidé d'y aller 15 jours, 3 semaines tous les ans. Voilà. Et en fait, là-bas, c'est un endroit où le moindre mot, on nous dit le moindre mot, le moindre signe, la moindre image, elle est discutée et elle offre. Chaque personne va donner une interprétation, fait, tout prend des proportions dans l'expression, et ça c'est rare aujourd'hui. Tout prend des problèmes. Le moindre point de vue, la moindre image, la moindre parole que vous produisiez devient un centre débat général, quoi. Et donc c'est très difficile de. Parce qu'on me disait, oui, mais si tu vas faire un projet d'Israël, il faut que tu ailles en Palestine. En fait, vous voyez, c'est très complexe. Et en fait, j'ai décidé de revenir. Il y a plus là-bas, artisanat. Il y a beaucoup d'artisanat là-bas. Mais en fait, c'est soit du côté palestinien, soit ces artisanats de tout le monde entier. Parce que les Israéliens qui habitent là-bas, c'est des Juifs qui viennent d'Argentine, d'Allemagne, donc il y a aussi bien des gens qui savent faire des tissages, des broderies des pays de l'Est, que d'autres pratiques d'Amérique latine, enfin, mais rien de vraiment spécifique. Donc je suis un peu revenu au départ, et j'ai décidé que la légèreté serait bienvenue, et j'ai décidé de faire des peintures à l'aquarelle, voilà. Et donc depuis 4 ans, je fais des aquarelles, vous voyez, comme des... dans la campagne, mais la campagne n'est pas tout à fait la même que chez nous. On le voit bien. Hein. Voilà. Donc là, c'était un petit peu... Là c'est un projet qui est pas tout fini. Là, j'ai retourné en mai. Là, je me suis fait voir un peu ça. Là, c'est une œuvre qui n'est pas très grande, qui doit faire un mètre, etc. Mais j'en ai fait des très grandes aquarelles. J'ai fait de très grandes aquarelles. D'ailleurs, si vous aimez l'aquarelle, il y a... les Américains ont sorti une toile spéciale pour l'aquarelle. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai fait ce projet, sinon je ne l'aurais jamais fait. Ah oui, voilà, j'ai un paysage. Je vous parlais des paysages de Paris tout à l'heure. Voilà. Voilà. Ça, c'est devant mon atelier à Paris. C'est les magasins Tati au mois de Noël. Et donc, vous voyez, il y a une vraie valeur dans ces paysages du commun. Ces paysages vernaculaires, ces choses de peu, vous voyez, je trouve que ça a une importance pas que sociologique. Déjà, moi, je suis très intéressé par des historiennes comme Arlette Fage, qui travaillent sur le Moyen-Âge, mais à partir, mais sur, pas sur les rois, les reines, les nobles, etc., mais sur les mendiants, les paysans, etc., et qui récupèrent, parce qu'il y a très peu de documentation, en fait, sur... les habitants du Moyen-Âge en France, mais il y a quand même un document écrit.
Il faut savoir que chaque personne, chaque, même chaque mania, chaque gens qui faisait la route, etc., des gens les plus bas à l'échelle sociale à cette époque-là, avaient des petits morceaux de papier avec leur prône, d'où ils étaient, où ils étaient nés, etc., qui étaient cousus dans la doublure de leur habit, de leur seul habit souvent, et qui étaient récupérés par les mairies, les préfectures de police de l'époque, ou les évêchés plutôt. C'était plutôt les... Et donc, avec le FAJ, j'ai travaillé sur tous ces gens de peu, quoi. On s'aperçoit qu'il y a une richesse sociologique, une richesse de comment on pourrait dire, de pratique, une richesse de tradition extraordinaire, et qui ne nous était pas arrivée, et qu'on ne connaissait pas, parce que nous, on connaissait que les grades de bataille, les grades de bataille, les armes, les drapeaux, les trucs comme ça, aux Invalides. Et c'est ce qui, moi, m'intéresse. C'est, je pense que... Et là, à votre fin, j'avais montré que l'histoire et la sociologie étaient extrêmement importantes en termes de masse, parce qu'on parle tout le temps de l'histoire de la sociologie des gens qui ont le pouvoir, qui sont de toute petite minorité, et elle a parlé de la sociologie, de l'histoire des gens, en fait, de nous, hein, mais à cette époque-là. Et moi, je pense qu'il n'y a pas que l'histoire, mais il y a l'esthétique aussi qui est importante. L'esthétique du peu, l'esthétique du vernaculaire, l'esthétique du commun, enfin, on peut mettre les images, les mots qu'on veut, c'est pour ça que j'ai appeler ça l'art modeste, et on va y venir. Alors là, j'ai un petit truc à faire. Tac. Je crois que je vais avoir posé de Mathieu. Ah non, j'ai pas besoin de Mathieu. J'ai pas besoin de Mathieu, je suis fort. Voilà. Voilà, alors là, oui, on a fait une espèce de petite présentation où je mets des phrases en exergue, vous voyez, comme si c'était très important. Alors, là, vous pouvez lire, hein, vous pouvez lire en même temps que, à sa glace, on fait ça, peut-être quand même, ça le fait pas. Voilà, voilà, alors l'art modeste. Donc, comme je vous dis, vous comprenez le temps pourquoi j'arrive à cette idée de l'art modeste. L'idée de l'art modeste, c'est que je voulais. J'ai toujours été intéressé justement par ces. Moi, je pense être un artiste marginal. Et j'ai toujours été intéressé par les choses marginales et périphériques. Mais les productions marginales et périphériques peuvent être. L'art modeste n'est pas l'art pauvre ou l'art de rien. Ça peut être, comme je dis, par exemple, l'exemple de l'architecture modeste est parfait. L'architecture modeste, ça peut être aussi bien les maisons, les cabanes qui sont faites au bord des périphériques par des gens qui n'ont rien, que les hôtels de Las Vegas. C'est le regard qui va en faire une œuvre. Ce n'est pas le fait qu'elle coûte de l'argent, qu'elle ne coûte pas, qu'elle soit faite par des gens cultivés ou des incultes ou des imbéciles. Et toutes ces choses qui m'ont influencé, j'avais envie de les magnifier, quoi, de les valoriser, en fait. Voilà. Alors, au départ, j'ai voulu créer ce musée pour valoriser tous ces objets, ces images du monde entier qui m'ont influencé, qui ont nourri notre travail. Je me suis aperçu très vite que toutes ces choses-là ont nourri le travail de beaucoup d'artistes, parce que les artistes sont quand même beaucoup plus forts que les critiques ou les historiens d'art, hein. L'historien d'art commence à dire aujourd'hui, ah oui, peut-être on s'est trompé, peut-être que l'art ne se nourrit pas que de l'histoire de l'art, que l'art se nourrit aussi des cultures populaires, du vernaculaire. Et alors on peut citer juste, ça personne aujourd'hui, mais on peut citer l'exemple du pop art ou de mille autres choses, mais les artistes ont toujours eu l'œil pour récupérer, regarder, parce que c'est notre métier, c'est de regarder plutôt que de produire presque. Parce que quand on a bien regardé, la production suit facilement, surtout maintenant avec des beaux-arts magnifiques comme vous avez, avec des professeurs fantastiques et tout ça, c'est facile, après vous avez tous les moyens de vous exprimer, mais au départ il faut regarder, quoi. Et l'art modeste, c'est un regard différent. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'artiste modeste, par exemple. On ne peut pas dire qu'un type qui fabrique des figurines de Batman ou un artisan en Afrique qui fait des petites voitures en bois de conserve pour les vannes au bord des routes, ce soit des artistes modestes, pas du tout. Ou l'artisan en BTP qui fait les arbres de vie. Il y en a certains qui vous diront, moi je ne suis pas artiste modeste, je fais un art qui se fait, c'est une tradition, depuis des générations on fait ça. Et le modéliste qui va faire les figures de Batman ou de Superman pour vendre dans les supermarchés quand le film sort, il va vous dire, mais moi j'ai une,
Moi, j'ai une éducation académique, il sait exactement où sont les muscles. Donc, c'est l'objet, c'est l'œuvre qui va devenir modeste quand on va la regarder, je vais la regarder d'abord, et quand d'autres vont la regarder. Hein. Donc, c'est ça qui est très important, c'est que la modeste, c'est un regard. C'est pour ça, c'est pas non plus un concept. Parce que si c'était un concept, c'est moi qui l'aurais inventé. Alors, je pense d'avoir rien inventé. C'est une notion, j'ai juste mis à jour une notion. C'est une notion auquel tout le monde peut accéder. Et surtout que chacun peut fabriquer. La modeste, ce qui est intéressant, c'est que chacun peut fabriquer le sien. Et après, on peut en discuter. D'ailleurs, le nouveau projet du MIAM, là, qui va être mis en œuvre, je pense, l'année prochaine, on va créer un centre de recherche. Avec des post-doctorats, on va donner des cours, on va créer un fonds de notation, un centre de recherche, et on va demander à des universitaires, des post-doctorats, mais aussi des gens aussi qui nous fournissent en image au MIAM. J'ai des gens qui sont spécialistes à aller trouver des trucs incroyables dans tous les coins du monde, ce que ne font pas les universitaires, puisqu'ils sont juste entre eux, on va essayer de faire ça, pour étudier certaines problématiques, enfin, certains types d'œuvres qui sont dans un vide complet. Hein. Là, en ce moment, on vient d'une exposition qui s'appelle Fan Club, c'est sur l'art qui est... alors, quand je dis art, il faudra passer par création. Après, chacun... Moi, je mets art, mais vous mettez création, si vous n'osez pas mettre le noir. L'art des femmes, en fait. Hein. On a, au XXe siècle, on a eu des phénomènes comme le rock'n'roll, des phénomènes comme le cinéma hollywoodien, qui ont engendré de nouvelles émotions, un nouveau rapport avec un grand public, une diffusion beaucoup plus large, et un public surtout jeune. Le rock, par exemple, c'est le premier mouvement d'adolescents, de jeunes dans l'histoire de l'humanité. Alors, chaque fois, on rappelle des merveilleux, des incroyables, pour la révolution, mais enfin, moi, j'y crois qu'à moitié à ça. Je pense que c'est vraiment ce moment-là. Et donc, c'est pas de manière sociologique que ça m'intéresse, c'est que cette position de ces jeunes, moins jeunes, qui sont fans de tel groupe de musique, de telle star du cinéma, de tel auteur de bande dessinée, ou de tel jeu vidéo, ça s'élargit, ont des productions. Hein. Alors ça peut être des blousons décorés, ça peut être des scrapbooks, des livres dans lesquels ils écrivent, ils collent les billets de concert, etc. Il y a tout un tas, et sur tous les continents en plus. Ce n'est pas des phénomènes spécifiquement européens, c'est un phénomène mondial. Comment les fans de musique s'expriment en Asie, en Chine, par exemple, serait intéressant à savoir. Donc, je veux lancer des chercheurs, ça c'est vraiment le prochain grand projet, parce que même souvent, j'ai presque plus envie de faire une exposition, j'ai juste envie de faire des recherches sur des terrains. Par exemple, il y a une autre problématique qui m'intéresse énormément, c'est l'art commercial. Vous voyez, nous, on est dans notre milieu de l'art contemporain, donc on connaît notre histoire de l'art, on sait ce qui est exposé à Venise, à la Documenta, on sait ça. Et on voit les prix des œuvres sur Sotheby's ou Christie's, des artistes américains ou chinois qui font des millions et des millions de dollars ou d'euros. Mais on ne sait pas que depuis... et c'est rigolo, parce que c'est au début du XXe siècle, à la moitié du XXe siècle, que l'art un peu s'est découplé, quoi. Il y a une partie qui n'a plus été accepté par, dirions-nous, l'historien, le spécialiste, l'expert. Hein, et c'est devenu de l'art commercial. Et on a un cas en France qui est très curieux, qui est Bernard Buffet. C'est un des rares artistes qui a un pied dans l'histoire de l'art, parce que c'est quand même l'école de Paris, le misérabilisme, etc. Donc, et je vous conseille d'ailleurs de regarder une peinture de Bernard Buffet des années 50 et 60. Vous serez surpris par la qualité et la force de ses peintures, parce qu'on voit toujours les conneries, les clowns, les fleurs, etc. Mais, c'est un artiste qui a son pied dans l'art commercial, un art qui est fait pour vendre, et il y a plein d'exemples. Je me suis aperçu, il y a par exemple un artiste qui s'appelle Tretchikov. C'est un artiste qui en argent a vendu plus, en somme a vendu globalement plus que Picasso durant leur vivant. Et lui, c'était surtout, vous avez dû voir ça, c'est des portraits très réalistes de très jolies femmes exotiques sur des fonds noirs, etc. Voilà, donc il y a tout un tas. Il y a par exemple monsieur et madame Keynes. Ça, c'est très intéressant, c'était des artistes, c'est une femme. Ils signaient tous les deux, mais en fait, c'était elle qui faisait les peintures et lui qui vendait. Donc après, quand ils ont divorcé, vous imaginez les problèmes qu'il y a eu. Et ils sont très connus parce qu'ils ont inventé un genre, c'est les peintures avec des enfants avec des gros yeux. Vous avez dû voir ça dans ces trucs.
vous souvenir des années 70 les plus horribles, j'imagine. Et vous voyez comment c'est très... Et donc, je ne suis pas le seul à m'intéresser parce qu'il y a Tim Burton qui est en train de faire leur biopic qui va sortir l'an prochain. L'histoire. Vous voyez comment toutes ces thématiques que j'évoque depuis 20-30 ans, elles commencent à accéder à un public de... ça va plus vers un public d'experts. C'était déjà très populaire, ce genre de... comme l'art commercial, ou l'art des fans, ou l'art qui se fait par les détenus, par exemple. Hein. Alors, au bien, on a exposé... Bon, je vais vous faire voir les expositions du bien, quand même. Tiens, je veux revenir. Là, vous avez bien lu pendant que je parlais, hein. Parce qu'il ne faut pas déconner. Hein. Voilà, ça. Quand vous avez marre, non, tu ne mets pas tout. Là, je vais appuyer. Là, mais tu me le mets que j'appuie sur la flèche. Je fais comme avec les artisans africains. Ils ont dit, voyez, là, il faut mettre une main. Il faut mettre une main. Alors, ils me disaient, mais quelle main? J'ai dit, les mains que tu sais faire. Voilà, alors, pour vous dire comment je croyais toujours comme faire dans les années 80 que le libéralisme était à notre portée, hein, et que la croissance était à la portée du moindre couillon, comme moi. Et donc j'ai créé, j'étais le premier, enfin le second avec Isabelle, parce que lui, on était dans le salon, lui l'a créé avant sa boutique, parce que bon, les Américains, ils ont l'argent plus facilement que nous. J'ai créé ma première boutique de l'art modeste en 80, j'ai créé la société Avion SARL en 87. Et la première boutique en 88-89, rue du Renard, à côté de la galerie Beaubourg. Parce que j'avais toujours, c'est toujours eu ce problème depuis le début, c'est de voir toujours les mêmes personnes à mes expositions, à mes vernissages, que ce soit à New York, à Paris, à Londres, ou n'importe où. On voit tout le temps les experts, soit les collectionneurs, il y a les amateurs aussi, les étudiants, les étudiants. Mais j'ai envie tout le monde. Alors je pensais que de bouger le cursus sur. Alors ce n'était pas du merchandising, c'était changer de support. Le merchandising, ça n'existait pas, le merchandising d'art dans les années 80. Hein. Il faut savoir, ça rappelait ça. En 87, ça n'existait pas. Et donc, à la place de faire une peinture sur toile, je créais un t-shirt, mais, ou une assiette, ou des chaussettes, ou un jouet. J'ai fait plus de 500 références en 8 ans. Et après, j'ai créé une. Et après cette boutique, j'en ai ouvert une autre, qui était la galerie de l'art modeste, où je commençais, où l'argent qu'on gagnait en vendant des chaussettes et des t-shirts, me servait à produire des expositions. Et j'ai fait les premières expositions sur l'art brut, sur le dessin de presse, des expositions qui préfiguraient un peu ce que je voulais faire au bien. Et bien sûr, tout ça s'est écroulé parce qu'on s'aperçoit que, de toute façon, et de temps en temps, je vendais même des œuvres à moi dedans pour essayer de remonter les finances, mais on s'aperçoit que les gens, ils préféraient aller dans la galerie, que je parle depuis le temps, qui s'appelle la galerie Louis Carré, ils préféraient aller acheter des œuvres plus chères chez Louis Carré, que les venir les acheter moins cher dans ma propre galerie, et qu'en fait, il fallait faire que des t-shirts pour arriver à faire des bosses. Ce qui m'intéressait, c'était faire des jouets, c'était faire des objets en fait, qui demandaient une production lourde. Et donc, qui dit production lourde dit beaucoup d'exemplaires, qui dit beaucoup d'exemplaires dit distribution, et qui dit distribution, et c'est là où on se trouve qui va distribuer. Hein. Et c'est là où je me suis aperçu que la réalité, c'était que c'est pas vrai que le libéralisme et que la croissance est à la portée de tous. Elle est réservée à certains qui ont déjà l'habitude, qui ont soit leur contact, soit des banques, soit des finances, soit des structures et des réseaux qui peuvent le faire. Donc bien sûr, tout ça s'est écroulé. Non seulement j'ai perdu tout l'argent que j'avais gagné avec les peintures dans les années 80, 94, quand j'ai fermé, j'ai dû payer pendant 10 ans les dettes, et en plus je m'étais mis à dos tout le biais de l'art. J'ai lu des articles terribles disant que je bafouais tout en gagnant de l'argent, en vendant des t-shirts. Alors que, comme je vous le dis, j'avais beaucoup perdu. Le peu que j'avais gagné, je l'ai perdu. Au début des années 90, en plus, je me suis aperçu qu'on commençait à faire du merchandising dans les musées, qu'on commençait à faire des parapluies avec Toulouse-Lautrec et des couches culottes à Matisse. Et donc là, je me suis dit, c'est une expérience, c'est rester au stade de l'expérience. C'est là où je me suis aperçu que finalement, l'art modeste et les idées que je voulais développer, c'est une institution qu'il fallait qu'il le fasse. C'est une institution sans argent privé, ou alors on a toujours besoin de mécènes, de sponsors, on travaille d'ailleurs pour le bien beaucoup ces derniers temps, mais que ce soit un lieu qui ne soit pas
générée par le système financier et par le système de la chaîne de valeur, parce qu'en fait on est trop prisonnier. On est vraiment prisonnier de ceux qui se vendent, de ceux qui ne se vendent pas, de ceux qui distribuent. J'ai beaucoup appris, hein, ça m'a, moi, cette expérience m'a fait beaucoup perdre, mais beaucoup appris. Et donc j'ai eu l'occasion, à la fin des années 98-99, c'était Mme Trottmann qui était ministre de la Culture à l'époque, et qui se posait des problèmes sur l'utilité, le rapport des centres d'art avec leur public. Parce qu'il y en a 37 centres d'art en France qui font de très belles programmations, un petit peu monomaniaques à mon avis, mais bon. Avec des très grands artistes locaux, mais qui ont un vrai problème d'implantation avec le public local. Hein. On a parlé, et moi je lui ai proposé, moi j'avais une idée, j'étais sûr de mon idée, c'était faire un musée pour le prix, pour le prix d'une exposition au Grand Palais. J'ai dit, moi je fais un musée où on aura un vrai public populaire qui viendra voir des œuvres d'art contemporain les plus pointues, les plus difficiles. Pas question de mettre des petits niquets, je ne sais pas, ce que les gens de l'art contemporain s'imaginaient que j'allais faire. Et donc le principe c'était ça. Le principe, donc le MIAM était lancé, on a ouvert en novembre 2000, donc vous voyez ça fait 13-14 ans maintenant. Et donc le principe c'était d'une part, comme je vous l'ai dit, valoriser tous ces objets, toutes ces images, toutes ces productions, là on les voit, il y a une partie de collection fixe au MIAM. Il y a mes collections qui sont dans des caravanes, comme on voit en bas, et donc on peut sortir, ranger et prendre la place pour les expositions temporaires. On voit l'intérieur des caravanes là. Et après, on a, en fait, le MIAM se constitue de trois plateaux, quoi. En fait, un grand rez-de-chaussée de deux mezzanines. Et la seconde mezzanine, en fait, est occupée par de grandes vitrines scénarisées par Bernard Belluc, qui est le collectionneur avec qui j'ai créé ce MIAM, qui lui collectionnait tous ces objets plutôt des années 50-60, parce qu'il est une génération plus âgée que moi, alors que moi, ce que je collectionnais, c'était plutôt aux années 70-80, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, tous les deux, on s'était rencontrés en 90, et par bout de temps, on m'avait dit, et moi j'étais sûr, à le rencontrer, j'avais dit, putain, maintenant que je te connais, je suis sûr que le jour, à tous les deux, on pourra faire un musée de l'art modeste, mais c'était une boutade, et finalement, comme quoi, des fois, quand on raconte les conneries, ça se fait. Et donc on ouvre, donc d'une part, valorisation, mais je ne voulais pas non plus faire un musée du jouet ou du Père Noël, parce qu'il y en a des musées du jouet, c'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est que ce soit le laboratoire. Alors on a pris le mot musée, pourquoi? On a pris le mot musée parce que ça faisait MIAM. Alors que c'est un laboratoire, on ne dépend pas du tout des musées de France, on est plutôt comme un centre d'art, c'est un musée municipal, il n'est pas moi le musée. C'est l'association que je préside, ça je vous en parle, parce que c'est bien de savoir les choses, comment elles fonctionnent. C'est une association que je préside qui a une convention avec la mairie et qui est financée donc par la mairie, par la DRAC, le ministère de la Culture, et après un petit peu la région et les autres, mais eux, c'est des radins dans les mots, donc ils sont salauds, la région, la Grosse-Sillon. Je les remercie pas d'ailleurs ce soir. Et donc, en fait, nous, la mairie est en charge du gardiennage, du bâtiment, du nettoyage, tout ça, et nous, on est en charge de toutes les expositions et les événements à l'intérieur. Et donc on produit à peu près deux expositions par an, qui sont des expositions thématiques. À part rarement, on a fait deux expositions personnelles, mais c'était très particulier. Une avec Carlo Zinelli, qui est un artiste brut italien très très important, tellement important que nous on l'a fait en 2002, il vient de le faire à la dernière Biennale de Venise, et une grande exposition de Carlo Zinelli. Vous voyez comment ils étaient à la base, ils sont à la base, bien, à la Venise. Et donc à travers cette exposition thématique, on essaye justement toujours, alors le principe c'était aussi toujours se revoir croisé, de jamais, alors aujourd'hui, jamais améliorer ça, hein, et on va vers d'autres terrains, parce qu'on s'aperçoit que sur le terrain que nous avons défriché, il y en a beaucoup qui s'y engouffrent, et tant mieux, hein, tant mieux. On voit aujourd'hui au Kebrali une exposition comme ça, transversale, on en voit même un peu au plein de Tokyo, etc. On commence à avoir des vraies transversalités. La transversalité c'est quoi? C'est déjà des artistes inter-âge, et vraiment coupant les générations et les genres, hein. Parce que c'était rare, on ne pouvait pas voir une exposition avec Claude Viala et Angelé Chia, par exemple. C'était des générations. Donc, vraiment déjà une transversalité au niveau des générations. Au niveau de la reconnaissance, ça peut être des artistes inconnus, émergents ou très connus. Au niveau géographique, on a exposé, vraiment, je crois que plus de la moitié des artistes sont des artistes hors France qu'on a exposé, parce que justement, c'est le Musée international des arts modestes. Moi, ce que je veux amener à cette, c'est l'extérieur, quoi. Tous les voyages que je fais et tout ce que malheureusement je ne fais pas ou que d'autres font pour moi, on est là pour.
pour amener à ce public qui ne voyage pas autant, leur faire voir qu'à Manille, qu'à Winnipeg, dans des endroits les plus improbables, il y a des créations extraordinaires, il y a des choses qui se passent. Et cette transversalité aussi, intergenre, hein, intergenre ou inter-territoire, je vais parler de territoire. C'est-à-dire qu'il y aura bien sûr de l'art contemporain, mais il peut y avoir de l'art décoratif, il peut y avoir de l'art brut, de l'art singulier, de l'art, voilà. Donc dans l'exposition, on va. Voilà, ça c'était les premières expositions qui étaient faites par votre compète de Bordeaux, là, Frédéric Roux, qu'on a vu Mouman pris comme directeur artistique. L'exposition de fait maison, vous voyez Philippe Maillot, qui nous avait fait qui avait créé la moquette du Miam, la moquette de l'exposition, pour les yeux là. Vous voyez, il y avait même Jeff Koons, vous voyez, à l'exposition. On était quand même. Et surtout, un truc formidable, là, il y avait le lit de Pépon aux Orioles. Je vous conseille d'aller voir, tous les étudiants, là, je vous conseille d'aller voir le travail de cet artiste portoricain qui s'appelle Pépon aux Orioles. Qui fait des installations, mais vraiment extraordinaires, hors Occident. Et surtout, il a commencé au début des années 80, quoi. Donc. Ça met un peu à mal tous les Yulok, en fait, tous les nouveaux artistes là, qui viennent des Caraïbes ou d'ailleurs, et qui se disent avoir inventé quelque chose. Donc l'exposition qui est présente, on va aller plus vite. Après, vous voyez toujours la transversalité aussi. Ça, c'est l'exposition sur le Mexique. Alors, on avait aussi bien un artiste mexicain qui commence à être connu maintenant, là, le petit, les squelettes là, et les femmes, qui s'appelle Eduardo Abaroa, et aussi bien les grandes peintures qui servaient au calendrier. Les objets, les ex-votos, etc., etc. Les alibris restent de la famille Linares, qu'on a pu voir aussi. Il y a une exposition, moi, qui m'a aussi permis de me conforter dans ces idées que j'ai eues à la fin des années 80. C'est une exposition qui s'appelle Les Magiciens de la Terre, où pour la première fois, contre sa hiérarchie, etc., Jean-Hubert Martin a fait à Bobo et à Villette, c'était en 89, je crois, 90. 29, il a fait pour la première fois une exposition où il exposait des artistes venant d'horizons semi-artisanaux, mais d'horizons Asie, continent africain, Amérique latine. Et c'était la première fois qu'on pouvait voir ça. Il faut se rappeler que c'était vraiment la première fois. D'ailleurs, tout ce qu'on appelle aujourd'hui là, le village global, la création globale, l'art contemporain global, on cite toujours cette exposition en 89. Et moi, cette exposition m'a fait. C'est des idées que j'avais comme ça et que ça m'a vraiment conforté. Et c'est là où la première fois j'ai rencontré les frères Linares. En fait, j'ai rencontré leur œuvre qui était exposée. C'est des gens qui font un papier mâché, des alébrires, c'est des cauchemars qui font des judas, etc., qu'on brûle lors d'une fête traditionnelle au Mexique. Et j'ai travaillé avec eux, il y a une grande pièce au cas qu'on leur a commandée d'ailleurs. Voilà. La pièce. Vous voyez la grande barque avec le squelette, c'est la pièce que les frères Linares ont fait spécialement. Pour le Miam, pour l'ouverture du Miam. Voilà, ça c'est une exposition sur Elvis Presley. Là aussi, totale transversalité, il n'y a pas de reproduction, mais il y avait un petit Peter Blake, il y avait, comme il s'appelle, Blancard, il y avait, là il y a un peu que l'art vernaculaire qui est mis. Là c'était sur une famille d'artistes de Sète, parce qu'il y a aussi cette implication locale. Moi j'habite pas à Sète, hein. j'habitais quand j'étais jeune, et puis être. 86 et 90, mais sinon j'habite pas depuis longtemps, mais je tiens à ce qu'il y ait vraiment une implication locale forte. Voilà, ça c'est la première fois aussi sur la gauche, vous voyez les affiches qui sont faites au Ghana, ça en même temps on connaît, mais on était les premiers à le faire, je crois que c'était en 2003-2004 cette exposition. Et la grande exposition, on a découvert aussi Guy Brunet, c'est ce type qui redessine toutes les affiches de cinéma hollywoodien. Mais ces versions à lui, il y redessine. Et ça, c'est formidable. Il a fait une exposition à Villeneuve-d'Ascq, qui est à Lausanne, là, il n'y a pas longtemps. Il fait, vous voyez là, c'est tous les acteurs hollywoodiens qui redessinent la taille réelle qui découpe sur contreplaqué. Et c'est extraordinaire. Et après, il fait des films de ça. Voilà, donc c'est tous ces travaux-là qui nous intéressent. Là, c'était sur le paysage, vous voyez, on fait des choses aussi un peu plus trucs. Là, c'était l'exposition avec Patrick Reynaud et toute l'histoire du pop-up book, c'est-à-dire ces livres qui s'ouvrent, qui se déplient. Voilà, ça c'était l'exposition. Alors, ça c'était l'exposition Le Sommet de Bernard Belluc, l'artiste avec qui j'ai créé le Miam. C'est peut-être le seul artiste modeste qui existe au monde, parce que c'est un collectionneur au départ, et il y a un grand spécialiste et amateur de Napoléon.
Et il a vécu toute sa vie en réalisant des figurines en terre cuite de bêtes des soldats de l'Empire. Et donc son rêve, c'était de faire une exposition modeste sur Napoléon. Et c'est ce que vous voyez, et c'était assez extraordinaire, je veux dire, c'était quand même un type d'exposition que j'ai jamais pu revue ailleurs. Voilà, ça c'est le fameux Carlos Zinedine, qu'on a fait en collab. Voilà, 2004, c'était, vous voyez, voilà, 2004, c'était avant, hein, avant c'était, ah, ça c'était 2003, et ça c'était 2004. On avait fait cette exposition en coproduction avec le musée de Villeneuve-d'Ascq et le musée de Saint-Denis. Vous voyez, c'était là. Je ne sais pas si vous avez, il y a une personne qui était à la Venise, là. Il y avait la grande exposition de Carlos Zinedine, la Venise de Venise. Voilà, ça c'est des thématiques qu'il n'y a que le mien qui peut se permettre de les faire. C'était, je voulais parler de la culture des narcos dans le nord du Mexique. Il y a une vraie culture qui s'est développée. Alors après, on n'est pas là pour le mien n'est pas là pour juger. Hein. Le mien est là pour rendre compte des choses qui existent. Et d'ailleurs, un artiste aussi est là pour rendre compte des choses et donner son point de vue, c'est tout. Et là, c'est une exposition qui s'appelait Narcochic, Narcochoc, qui parlait de tous ces arts, de tous ces artistes mexicains et de toute cette culture vernaculaire, surtout musicale et décorative, qui a été créée autour de ce phénomène, enfin, ce triste phénomène. Mais, par exemple, là, on avait reconstruit. Là, c'est la vraie image de la chapelle de Jesús Malverde, qui est le sec. Vous voyez ça, ça. Dans le mien, on avait refait sa chapelle. C'est le saint des narcotrafiquants. Et ça, et la chapelle se trouve à Culiacán, dans l'état de Sinaloa. Je ne vous conseille pas d'y aller à ce moment. Parce que c'est assez violent comme ville. Moi, j'ai eu peur, je ne suis pas allé. Je suis allé pas loin, mais après, je n'ai pas voulu y aller. J'ai préféré le reconstituer à Sèvres. Mais c'est des cultures, vous voyez, qui. Il y avait des très grands artistes mexicains. Voilà, là aussi, ça, c'était vraiment une exposition vraiment plus. Sur les matériaux, dans la modeste aussi, il y a des matériaux. Là, c'était sur le sucre, sur toute l'histoire des objets de sucre, aussi bien des objets de sucre italiens que mexicains, etc. Ça, c'était. Et la plupart, là, d'ailleurs, cette exposition qui avait été faite par le regretté Cyril Lefebvre et mon copain Pascal Sommade, par Adriana, sur toute l'histoire, sur le Tiki, les sœurs, les Valinés, etc. Donc, on avait. La grande chose que nous avions. Pu faire, c'était de faire venir les sculptures de Kevin Hansel, voyez. C'était 20 Vainé grandeur nature, avec des Kalachnikov, avec des pistolets, des mitrailleuses, etc. Et qui dansait un pouce. Tout animé, c'est une œuvre extraordinaire. Hein. C'est l'artiste de Los Angeles extraordinaire. Et il nous avait prêté aussi le surf qu'il avait peint pour Apocalypse Now. Parce qu'on voit, on est dans Apocalypse Now, le général là qui fait du surf. Voilà. Et comme on voit, il y a des artistes formidables aussi. Moi, je ne vais pas vous citer. Et d'ailleurs, vous voyez, le Quai Branly font une exposition sur l'Artiki l'année prochaine, cette année, je crois, la fin de l'année. Là, c'est une exposition sur le manège enchanté. Et donc, on a vu la chale, c'est le manège enchanté. C'est des Français qui ont créé ça en Vendée. Et moi je croyais que c'était annulé parce que j'avais acheté des jouets où on avait. C'était marqué The Roundabout. Et je croyais que c'était annulé parce que ça avait été la même du succès. J'imaginais pas qu'on pouvait avoir en France dans les années 70, 60 même, un tel succès. Et en fait, maintenant, c'est un créateur, et sa femme est venue, lui il est mort, de Vendée. Et elle avait gardé tous les objets, toutes les marionnettes qui servaient à faire les films qu'on avait dû exposer. Je peux vous dire que c'était assez. Et puis moi j'avais fait une version à la voix aussi pour un peu. Parce que souvent, la plupart des expositions, je demande à. C'est rare l'exposition dont je suis le commissaire de Lyon moi-même. Il y en a quelques-unes, parce que je n'ai pas pu faire autrement, comme l'exposition sur les arbres, la Bang, que j'ai fait en collaboration avec le musée d'art industriel de Saint-Étienne. Mais ce que je veux, c'est le seul endroit qui est fait par un artiste. Hein, parce qu'il n'y a pas d'autre musée, je crois, à part des fondations. Les fondations à l'honneur de l'artiste, ça, c'est pas intéressant. Quoi, hein. C'est le seul lieu donc, dirigé par un artiste, et je veux donner aux artistes la possibilité d'être commissaire d'exposition. Mais comme ce n'est pas facile, il y a aussi, je veux donner aussi à des experts, il y a des gens un peu marginaux, la possibilité de faire voir des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Mais par exemple, on voit qu'il y a une vraie transversalité à cette exposition. Puisque on voit aussi bien des tapis afghans avec les armes,
les œuvres d'un artiste d'art brut très très connu aujourd'hui qui s'appelle André Robillard. C'est des pistoles, c'est des fusils faits avec des tubes, des scotch, etc. C'est le type qui vient de l'asile. Vous devrez avoir des autres travail. André Robillard, il est encore vivant, je le raconterai, c'est extraordinaire. Et Xavier Neya, le fusil de couleur, vous voyez. Donc, il y a vraiment une transversalité parce que jusqu'à aujourd'hui, on avait très peu l'occasion de pouvoir faire discuter, dialoguer et se confronter des œuvres dans des territoires tout à fait différents. Parce qu'en France, on a une super structure, le centre d'art, le musée, tout ça, il faut le reconnaître. On a un musée de l'art brut, un musée de l'art décoratif, un musée de la mode, un musée de la dessinée, des centres d'art contemporain, etc. Mais il n'y a jamais un endroit où on peut tout voir en perspective. Et donc le MIAM s'était donné un peu ce devoir de faire voir en perspective des productions que tout ça fait séparer et que finalement, tout ne sépare pas. Ça, je vous dis aussi, c'était vraiment l'idée aussi de l'implantation locale. Il y a une tradition dans cette que moi j'aime pas, j'aime le corrida, mais j'aime pas, c'est des shoots. On aime jamais ce qui est chez nous, hein. C'est bizarre, on aime tout le temps les trucs qui sont ailleurs. Et les shoots, je sais pas si vous connaissez les shoots, c'est deux types qui se font tomber à l'eau sur une barque au bout d'une tentelle qu'on appelle, on ne passe pas. Ils se font tomber à l'eau comme un peu dans les anciens combats de chevaliers avec une lance et un bouclier qu'on appelle le pavois. Et ces pavois ont donné lieu à des interprétations, des décorations artisanales, amateurs, séculières. Et j'ai demandé à des copains artistes, là c'était d'ailleurs Norbert Dufort, le vice-président du MIAM, qui a été le commissaire d'expédition, puisque moi quand j'avais parlé de ça, je me dis, mais t'es pas fou de faire une expédition sur les pavois. Il y a en fait comme quoi, des fois, on n'a pas les bonnes idées et qu'il faut toujours. Ce qui m'intéresse à le MIAM, c'est le travail, c'est de faire un travail fédéré. C'est qu'on est un conseil d'administration, on est 10 bénévoles. Après, il y a deux salariés à l'association, il y a une quinzaine de personnes dans le personnel du MIAM en tant que gardiennage, visite, entretien, etc. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de fédérer et de faire des choses ensemble. Moi, j'ai tout le temps cru au collectif, et chaque fois, ça s'est planté. Mais je continue à y croire. Et là, Norbert avait demandé à une dizaine d'artistes, dont Véro, Viala, etc., de lui faire leur interprétation. Et on avait exposé presque 1000 pavois de toute origine. De toute façon, je peux vous dire que moi, je n'étais pas très chaud pour cette exposition au départ, et j'ai trouvé ça formidable. Voilà, ça, c'est l'exposition qui nous a fait un énorme succès. Okay. Parce qu'on dit toujours le graffiti. Alors, le graffiti, je ne sais pas si on va te parler aujourd'hui, je ne sais pas si c'est. Quand on commence à parler du graffiti dans une école de beaux-arts, c'est que c'est cuit. Et déjà, le graffiti. Hein, les cours de graffiti, alors tu vois, c'est les cours de graffiti, alors là, c'est encore plus cuit. Déjà, quand j'ai vu que le graffiti était à Sotheby's et à Christie, là, je me suis dit, c'est encore plus cuit. On va devenir comme le. Vous savez, et le pire, c'est que quand on va dans les petites villes, là, comme vous, comme Sète ou ailleurs, il y a toujours des. C'est rare, les galeries d'un certain niveau. Il y a beaucoup de galeries dites commerciales. Et avant, souvent, ils vendaient des petits trucs un peu naïfs, un peu art brut, un peu art singulier. Et aujourd'hui, ils vendent des petits trucs de graffiti. Alors là, c'est pour ça, voilà. Et là, donc, c'était en 2005. Ouais. 2005. Ouais, 2005. En 2005 ou 2006. Donc, c'était bien avant l'exposition à la Fondation Cartier, bien avant l'exposition à la Tête Moderne, et bien avant l'exposition au Grand Palais. On avait fait deux expositions, en fait. Au musée Paul Valéry, qui est notre musée de Sète, j'avais réussi à avoir les lieux, et on avait présenté toute une collection de collectionneurs amis à moi, qui avait une grande collection des graffitis qu'on appelle old school, du début des fins des années 70, début des années 80, avec Crash, Days, Ramazzi, qui c'est à lui qui a fait tout ce monde. Et après, dans le MIAM, on avait tout enlevé. Et on avait invité 12 artistes du monde entier, dont David Ellis, Alex Wang, il y avait de Taïwan, de Téhéran, des États-Unis, de France, de Belgique, après d'Allemagne, les Open Kinder, on avait vu deux artistes et qui ont entièrement repeint le MIAM. Et je dois dire que cette exposition a été Dunca, le Brésilien. Cette exposition a été vraiment un truc, ça s'appelle l'art modeste sous les bombes, graffiti story, un truc énorme. Et je m'y suis beaucoup attaché parce que moi j'ai découvert le graffiti quand je suis arrivé en 82, pour premier voyage en 82 à New York, j'ai vu ça. C'était la première fois où ils exposaient, 82-83, c'était les premières expositions de Crash, de Futura et tout ça. Et ce phénomène m'avait vraiment intéressé parce que souvent on me dit oui, mais vous venez de la génération Bad Messier Graffiti. Je dis Bad Messier, certes,
Les graffitis, moi quand j'étais jeune, ça n'existait pas. Les seuls graffitis qui existaient, c'était les graffitis de chiottes que Brassailles les photographiait. Mais le graffiti est né dans les années 70 dans les métros de New York et de Philadelphie. Il a commencé à émerger tout début 81-82 à l'extérieur du métro. Mais voilà, avant ça n'existe pas, donc moi c'est pas du tout ma formation. Mais comme je vous dis, comme j'aime toujours ces marges, ces périphéries. Mais comme on le voit, les marges et les périphéries deviennent, sont récupérées par la centralité, sont aspirées par le central. Et donc, le graffiti est devenu un vrai territoire, l'art urbain, le mot le street art, je ne sais pas comment dire, est devenu un vrai territoire au même titre que l'art singulier, hein, au même que l'art brut, que l'art naïf. C'est devenu un vrai territoire en soi. Moi, aujourd'hui, ça m'intéresse moins, mais je devrais toujours être surpris. Ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était il y avait un peu plus au nord, hein. Une artiste de Los Angeles, c'est toute. Tous ces artistes de la côte ouest des États-Unis qui ont. Le graffiti est né au début des années 80, enfin, le graffiti et street art en tant qu'œuvre, hein, dans une galerie exposée, est né au début des années 80 à New York. Mais très vite, ça s'est éteint et ça a ressuscité en fait au début des années 90 à Los Angeles et à San Francisco, à l'école de Michel Street, comme Barry McGee par exemple, Chris Johnson, tout ça. Et c'est eux qui ont inventé plutôt le street art. On appelle ça plutôt street art graffiti. Et qui prennent en compte justement des matériaux totalement différents. C'est pas que le spray, mais c'est aussi le pinceau, c'est le collage, c'est l'influence de tous les affichistes de mai 68, par exemple, de toute la culture politique, l'extrême-gauche, les situationnistes, le guide au bord, tout ça a été re-aspiré. Et ça c'est. Et après, à partir de 2000, le graffiti, en fait, le street art est un peu mort aux États-Unis, même actuellement. Il y a en fait une revitalisation terrible qui s'effectue en Amérique latine et surtout au Brésil. Vous avez pu certainement entendre parler des Os, par exemple, et tout ça. Et donc, on est là pour compte. Nous, le bien, on est là pour rendre compte, à un moment précis de l'histoire, des choses qui se passent et que les autres ne font pas voir. Ou on est là pour rendre compte de certaines choses qui ont toujours existé, qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais remarquées et qu'on va en fait faire voir. Et on est là aussi pour faire se rencontrer des choses qui paraissent antinomiques, que l'institution, soit le marché, fait tout pour les séparer, et que nous, on va réunir. C'est ça le miel, c'est l'endroit où on peut faire tout ce que les autres ne font pas. Et je me dis toujours, quand le Palais de Tokyo ou d'autres endroits feront le travail combien, moi, j'arrêterai. Parce qu'en fait, si j'ai décidé de m'occuper de ça, ça me prend pas mal de temps quand même. Hein. Avec pas mal d'énergie. Bon, pour moi aujourd'hui, parce qu'on est beaucoup plus structuré, les choses fonctionnent mieux, mais ça a été très 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 dur parce que je suis arrivé là-dedans, j'ai été nommé président, je pensais que déjà ça m'occuperait, personne ne s'était occupé, et je ne savais même pas ce que c'était le CDD, le CDI, c'était quand même une catastrophe au niveau truc, et j'ai appris sur le tas, et j'ai beaucoup appris comment négocier avec les institutions, avec les privés, avec tout ça. J'ai vraiment énormément appris de comment on fait une exposition. Et ça, je vous le conseille parce que chaque fois que je faisais une exposition dans un lieu public, avant, on me disait « Ah oui, mais là, on ne peut pas faire ça, parce qu'il n'y a pas le budget. Ou là, on ne peut pas faire ça, parce qu'il y a ça. » Alors maintenant, je sais comment le budget se fabrique, je sais où l'argent est, dans l'institution, etc. Donc maintenant, quand on me dit ça, je sais très bien, et on ne me le dit plus d'ailleurs. Parce qu'on me dit maintenant, on me dit la vérité plutôt. On me dit « On ne peut pas faire ça pour cette raison, pas pour des raisons fallacieuses. » Ça apprend beaucoup de faire les choses. Et c'est là où je veux en venir. La exposition Coquillage et crustacés, faite par Norbert Buffon, qui était repris au bus de Brest. L'exposition sur le catch. Alors là aussi, encore, l'exposition sur la broderie. Alors on va de la broderie vernaculaire, c'est-à-dire les canevas de notre enfance qui était chez notre table, là, comme je disais, et jusqu'à des artistes extraordinaires qui travaillent que dans la broderie. Et étrangement, et donc, il y a une grande exposition qui va regarder la ville de Paris, là, à ce moment-là. Qui est sur le thème aussi. Donc, j'ai pas dit que je l'avais fait avant. Mais... Ah voilà, ça c'était la seconde exposition personnelle que nous avons vue, une exposition particulière. C'est un grand, moi je pense que c'est un des plus grands artistes espagnols vivants, qui s'appelle Antoni Miralda. Et en fait, lui, son œuvre, c'est des collections. Donc en fait, son œuvre, c'est pas que ses œuvres à lui. Il y a ses œuvres, et depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans même, il collectionne, il amasse tout ce qui a sujet à la nourriture, au manger, à la table.
Et il a un musée, enfin un musée, un endroit un peu privé, c'est une fondation qui s'appelle la Food Foundation, à Barcelone, c'est à Barcelone, et c'est vraiment un travail admirable. Admirable. Voilà, alors là, c'est le début d'exposition. Là, jusqu'à présent, il y avait beaucoup de commissaires ou d'experts, des gens en particulier qui faisaient le commissariat, qui s'occupaient de notre exposition. Et moi, ce que je voulais, c'était que des artistes le fassent. Hein, parce que moi, je suis un artiste, je me dis, mais pourquoi il n'y a que les artistes conceptuels qui sont commissaires d'exposition? Pourquoi d'autres artistes ne peuvent pas? Et surtout des artistes qui ne vont pas présenter leur fantasme, mais qui vont présenter le milieu dans lequel ils sont, c'est-à-dire l'endroit géographique, culturel, social, de là où ils sont issus. Alors, on avait commencé doucement, parce que c'était moitié commissarisé, moitié l'artiste haïtien qui s'appelait Edouard Duval-Carrier, qui avait fait une sélection de 21 artistes des Caraïbes, dont Joulog, là, qui est très très connu aujourd'hui. Vous avez dû voir ça, non? Parce qu'il y a une grande exposition de ça, absolument. Je crois, Miami ou à Londres, je ne sais pas. C'est un Jamaïcain qui vient à Londres. Et petit à petit, ça c'était l'exposition, ça c'est une exposition particulière, c'était. Et là, c'est moi qui ai dit, je vais le commissaire, je me suis dit, ça fait 10 ans que je m'emmerde. C'était pour quitter le 10e anniversaire de l'IMIA. Ça fait 10 ans que je m'emmerde à faire des trucs. Je vais au moins faire les 10 expositions que j'ai jamais faites, que j'avais voulu faire. Voilà. Et donc, il y avait Pascal Combelade. Par exemple. Il y avait Laurent Danchet qui nous avait fait une exposition d'art brut extraordinaire. Des artistes, plusieurs artistes d'art brut très peu vus, qui sont à la limite aussi. Donc, Émile Ratier. Qui fait des énormes trucs en bois là. C'est un artiste aveugle, enfin un artiste brut aveugle qui est au musée de Lausanne aussi. Et aussi, avec mon copain Michel Gondry qui nous a offert au mien la maquette de La science des rêves de son film. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Michel Gondry, La science des rêves, la maquette de la ville en carton, quand il rêve, le type. Un rouleau de papier, voilà. Ça. Il fait un rouleau de papier toilette, tout à fait. Et il nous l'a offert, et donc il est venu présenter les films de 2007. Et puis aussi, parce que je vais exposer aussi les copains, Robert Compas, qui vous avez, en fait, qui n'est pas du tout son œuvre, parce que son œuvre en regard d'une collection d'origine de bandes dessinées, des bandes dessinées des années 30, qui revisitaient toute l'histoire de la bande dessinée, c'est un truc assez extraordinaire, il a fait toute une série de personnages en regard de cette collection. Voilà. Et donc, ça, c'était vraiment pour fêter le 10e anniversaire, pour repartir sur d'autres bases. Voilà, vous avez d'autres exemples. Il y a Bernard Belluc, bien sûr, qui avait fait sa grande maison, comme au milieu. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse. Nous faisons un événement chacun, tous les ans ou tous les deux ans, sur le vin et l'art contemporain, qui s'appelle le Gagnant Loulou. Alors, en fait, on donne un prix, on sélectionne un vin. Pour l'instant, on n'a fait que des vins de la Vendôme aussi. Hein. Mais là, je pense qu'on va. Externaliser un petit peu. Si on allait faire le vin de Bordeaux, mais bon, vous imaginez que faire sélectionner le meilleur vin à Bordeaux, à Bourgogne, c'est pas facile quoi. Et en fait, le prix consiste, on paye un artiste pour réaliser l'étiquette du vin qui a été primé. Et surtout, cet événement donne lieu à une série d'artistes qui viennent faire des performances, des installations. Enfin, on a eu pas mal d'artistes là qui sont venus pour travailler le jour. Là, c'est un événement qu'on fait une fois par an, qui réunit, qui explique aussi que ça peut être festif, qu'on peut boire, manger et avoir des artistes de qualité. Et une certaine exigence, quoi. Qu'on n'est pas obligé de faire dans le genre maison des jeunes, quand on veut faire un truc sympathique, quoi. L'art contemporain, c'est pas tout le temps sympathique, mais ça peut l'être aussi, quoi. C'est pas toujours chiant. Voilà, et ça, vous voyez la façade du Mia. Alors ça, c'est notre exposition Gros Mia. Alors ça, c'est l'équipe de Roland, Moustique et Michael Gunn, qui voulaient faire l'exposition, parce qu'ils s'intéressent beaucoup à l'art contemporain. Surtout de Mme Lépine, et Moustique, lui, c'est un photographe, je voulais faire voir ses photos. Et surtout, ils nous ont ouvert les portes de leurs archives, là-bas, à Paris, à Canal+, et il y a tous les objets qu'ils produisent pour faire leurs émissions, les props, les accessoires, en fait, je dis ça, les accessoires, et en fait, on s'aperçoit que pas mal d'accessoires, et pas mal de vidéos, et pas mal de leurs sketchs, entre guillemets,
ça ressemble à l'art contemporain. Il y a vraiment une relation. Et donc, je voulais faire voir aussi, quand on faisait voir une œuvre de Gilles Barbier, voilà, ça c'est hyper gros, bien, voilà, ça c'est le trou du cul du bois de Gilles Barbier, une œuvre extraordinaire, qui va faire un ouais, c'est assez grand, hein. Un peu de ces quatre-là. Parce que, oui, il y a certains accessoires qui semblaient comme des œuvres d'art contemporain, mais quand elles sont vraiment en perspective et vraiment ensemble, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est là où c'est intéressant. Et surtout, aussi, ça permettait, grâce à ces deux grandes stars de la télévision qui ont fait ça par amitié, je dois dire, hein, c'est vraiment uniquement par amitié, qui nous ont amené un public de néophytes, même des gens de la région qui n'étaient jamais rentrés ni au mien dans un musée de leur vie, et qui allaient être confrontés à des œuvres de Gilles Barbier, de Claude Lévesque, parce qu'ils avaient, c'est Benoît et Moustique qui avaient choisi des artistes, et c'est Antoine de Galbert qui nous a ouvert ses collections, qui nous avait permis de choisir, qui leur avait permis de choisir ce qu'ils voulaient. On avait des artistes quand même, c'est pas des choses faciles pour le néophyte, hein, pas pour vous, que vous êtes tous des historiens de l'art, vous laissez tout l'art par foutre, j'espère. Là, ça se donne, voilà. Et bon, ça, c'est mes caravanes, hein, voilà, les forces, ça, c'est les caravanes. Les premières caravanes de la Rolette que j'ai faites en 1990, voilà, ça, c'est les frères Linares, je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, c'est une exposition, un petit peu qui s'appelle le Trésor du Miam. On s'est aperçu en fait, on n'est pas un musée, donc on n'a pas de collection spécifique. On s'est aperçu qu'au fur et à mesure des années, entre les œuvres qu'on a produites, les œuvres que les artistes nous ont offertes, les œuvres aussi qu'on a achetées, parce que pour les faire venir du Mozambique ou du Mexique, ça coûtait moins cher de les acheter que de payer le transport aller-retour, on s'est aperçu qu'on avait quand même une collection. Et donc, on avait décidé à ce moment-là. Alors là, Manila Vice. Merde, il n'y a pas mon IP. Il en manque une exposition. Parce qu'avant, il y avait mon IP. Alors, ce qui était intéressant, ce que je voulais faire, c'était une tétralogie de ville. Et décrite à travers ces artistes par un choix fait par un artiste. Et là, j'ai eu la chance parce que pour Mani, j'ai rencontré Manuel Ocampo, qui est un artiste qui m'a beaucoup intéressé. C'est un jeune artiste, c'est plus jeune que moi, qui a commencé au début des années 90 à Los Angeles. Un philippin plutôt, et qui a une démarche très intéressante, déjà c'est la peinture figurative, vous avez dû déjà voir, c'est lui qui fait souvent des croix à la mer avec des estrogues et des serrées de plantes dedans, enfin, une peinture très influencée par les autos, parce que c'est la technique des autos qu'il a appris en cours aux Philippines, où il y a un grand art religieux, et donc il a été le commissaire de l'exposition sur Manille, et lui a pu le rencontrer pour plusieurs raisons. C'est rare quand on raconte. Moi, dans ma vie, c'est le second artiste que je crois que j'ai rencontré qui ne pensait pas qu'à lui, qu'à son travail, qu'à des fans dans ce qu'il faisait et qui avait une vision plus vaste des choses. Et en fait, à la place de rester à Los Angeles et de travailler chez Marie Boone et d'avoir tout ce qu'il voulait, il est rentré à 8 ans, 9 ans, il est rentré à Manille et il a ouvert une galerie en fait. Il a ouvert une galerie pas pour gagner de l'argent, ni pour vendre ses œuvres, mais pour vendre et pour faire voir des jeunes artistes. Et surtout un artiste plus vieux que lui, qui est le Elvis Presley, Philippin, le Johnny Rotten de Manille, qui était le premier punk de l'Asie du Sud-Est, qui s'appelle Romeo Lee, et qui est un type qui l'a influencé, et qui a influencé toute sa génération. C'était le punk, quoi, c'était le premier punk Philippin. Et donc il voulait rendre hommage à cet artiste, Manuel Ocampo, et aussi faire découvrir une jeune génération d'artistes époustouflants. Et donc on a produit cette émission. Et l'exposition d'avant, là, ils ont oublié, je pense, le truc. J'avais fait parler pour Winnipeg avec Guy Madin. Winnipeg, c'est une petite ville au plein milieu du Canada, à égale distance de Vancouver, de Toronto. Donc, vous voyez, la première ville à côté est à 1000 km, je crois. On est en pleine terre, il fait moins 40 6 mois de l'année. Et donc là-bas, il y a toute une génération d'artistes dans les années 90. Il y a une pratique picturale avec des beaux-arts, etc., qui existe depuis longtemps. Et dans les années 90, il y avait un groupe collectif qui s'appelait le Royal Lodge, dans lequel il y avait Marcel Zama, Bruce Farber, il y avait un club du Montiel, qui sont des artistes assez connus. Et donc, c'était cette pratique du collectif qu'ils avaient là-bas. L'intérêt de cette ville, c'est que, comme il fait très froid, la moitié de l'année, les jeunes étudiants à Beaux-Arts ou pas se réunissent
ils font des choses de simples. C'est comme ça que Belmadi, qui te, je vous conseille de voir le film de Belmadi, c'est lui qui a fait The Saddest Music in the World, qui s'appelle La Rossini en particulier, des films très spéciaux, très particuliers. Et d'ailleurs, après, les expositions sur Winnipeg, on va faire une coproduction avec la Maison Rouge. Et d'ailleurs, après, Belmadi m'a fait le projet à Beaubourg, là, il y a 3-4 ans. Et là, pour ma, et là c'était avec Belmadi, il avait fait aussi, avec Maïgaline et Noam Gordy, qui est aussi un autre réalisateur. C'est deux réalisateurs de Winnipeg qui avaient créé, qui avaient directement fait le commissariat, aidé avec moi derrière pour cette exposition. Alors, je vais vous faire voir quelques trucs de Marie parce que c'est génial. On a fait venir le gymnien à tir du Marie. Donc, on a comme appel, vous savez, c'est un petit camion dans lequel on. Espèce de taxi. Et là, la crâne de fresque, c'est Roméo Lee, justement. Il est venu, on est le fameux Roméo Lee qui a une soixantaine d'années, et qui a fait un concert, qui a fait ce départ de fresque, là, de peinture extraordinaire. Et ça, c'est un mec totalement inconnu. Voilà. Ah, comment il s'appelle, je ne m'en rappelle plus l'artiste de Vierge, mais le pape, là, c'est une sculpture en bois polychrome. Et ça, c'est les artisans des villages au nord de Manille, de Baguio, qui ont une grande tradition de sculpture sur bois, que ce soit des. Vous savez, vous avez dû voir ça, je ne sais pas, dans des restaurants. Hein. Vous savez, ils font des gros indiens philippins, là. Vous savez, les pirates philippins qui ont le tango, là. C'est la tradition, ils font des grandes sculptures comme ça, assez régulières d'ailleurs aujourd'hui. Et il y en a un comme ça, qui fait des personnages, il avait fait la présidente des Philippines, comme ça, le policier, le pape, c'est extraordinaire. Et merveilleux. Voilà, là, il y a des artistes vraiment formidables. Mais ça, on peut voir tout sur Internet après, si vous voulez des précisions. Vous voyez, le policier aussi, c'est une sculpture à quoi pour le chrome, à taille réelle. Voilà, ça, c'est l'exposition. Voilà, ça, c'est l'exposition Fat Club. Voilà, on passe à autre chose, du coup. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de l'émergence d'artefacts qu'on ne sait pas d'où ça vient, qu'on ne sait pas d'où c'est, mais qui existent, ces productions faites par des gens, qui sont des artistes, des artisans, rien du tout, qui sont juste. Ils ont besoin de créer des objets pour vénérer leur culte, quoi. Voilà, c'est comme ça, ce qu'il avait fait de trucs. La guitare, on peut dire, Christian Barclay à l'exposition, Bruno Penato, etc. Ah oui, il y avait un manteau aussi d'un fan de Kiss. Il y avait une collection de guitares. Il y avait les badges de Elvis. Voilà. Écoutez, c'est fini, on finit par Elvis. Ah, ça va, mais ça fait pas une heure encore, je vais pas en parler encore. Bah écoutez, je sais plus trop quoi vous dire. Hein. Par contre, j'aimerais bien vous répondre à vos questions si vous avez essayé d'animer le débat, parce que vous parlez tout seul pendant une heure, c'est un peu con. Alors, je ne sais pas si vous avez tout bien compris, si vous avez tout bien vu, car il y a beaucoup de choses. C'est difficile de résumer à une heure, 33 ans de travail. Parce qu'on vient quand même. Moi, je ne dis pas le nombre d'expositions que j'ai faites, vous pouvez le voir sur Internet, il y en a beaucoup. Mais on vient quand même, à 13-14 ans, on est à la 33e exposition, et on a exposé 454 artistes. Donc, c'est quand même un projet qui est vaste. Et là, en ce moment, il y a l'exposition Fan Club. Le 10 avril, on ouvre une exposition, en fait, qui continue la série des villes qu'on ne connaît pas ou qu'on croit connaître, décrite par leur artiste, par un artiste qui va inviter d'autres artistes. Et là, c'est Coulo Rosales, qui va inviter l'artiste de ces villes, qui va inviter une trentaine d'artistes andalous. Et après, en octobre prochain, on va avoir une très belle exposition faite par Paquito Molino, qui est aussi le dernier cri. C'est un collectif de Marseille qui a monté toute une exposition sur les illustrateurs japonais des années 70 aujourd'hui, qu'on va faire en collaboration avec la friche de la de mai qui est venue à Marseille. Donc on pourra avoir une partie de l'exposition à Marseille et l'autre partie à Sète. Voilà. Et après, pour clore l'année prochaine, en 2015, pour clore la série des villes, il va y avoir une exposition sur la ville de Providence. C'est la ville d'où a vécu et où est mort H.P. Lovecraft. Je ne sais pas si vous connaissez cet écrivain extraordinaire. Et c'est dans cette ville aussi, il y a des collectifs d'artistes assez incroyables. Je pense que c'est les meilleurs artistes américains, comme C.F., Dan Brinkman, etc. C'est-à-dire les artistes de la jeune génération qui ont une trentaine d'années, qu'on va faire voir pour la première fois en Europe l'année prochaine. Comme d'ailleurs les artistes de Winnipeg,
ou même de Séville. On comprend, à la limite, que le Winnipeg, on va dire, parfois les artistes en France, parce que c'est si loin. Mais ce que je ne comprends pas, c'est l'artiste extraordinaire que j'ai vu à Séville, qui sont de toutes les générations. Là, on va montrer beaucoup l'artiste des années 80 à aujourd'hui, de toutes les générations, de jeunes de mon âge à plus jeunes. Il y a une telle diversité, une telle richesse. Il y en a par exemple, et on les expose très peu en France, ils ne sont pas vus. Ici, il y en a une qui est un peu connue, c'est celle qui a fait l'affiche pour l'exposition d'ouverture du Mucem, je ne sais pas si vous avez vu, qui s'appelle Pilar Albarracín. Vous avez dû voir cette photo, c'est elle, à Bia Toreador, à Torero, avec une cocotte de minute à la main. Voilà, donc vous allez, ça va être surprenant. Et voilà, donc ça, c'est les projets du bien, mais surtout maintenant, j'essaie de faire, peut-être d'arriver à. Parce qu'en fait, dans notre travail, il y a un peu trois grandes parties, comme vous l'avez vu. Il y a les années 80, qui sont en fait peinture et sculpture, mais principalement liées aux cultures populaires occidentales, européennes, américaines, beaucoup, parce que j'étais influencé par. Moi, de 7, je voyais l'Amérique de loin, mais c'était ce qui. Je me suis fabriqué ma petite Amérique comme beaucoup de jeunes de mon époque, hein, entre la musique et le cinéma. Après, à partir de la fin des années 90, début des années 90, il y a ce tour du monde qui commence où je prends en compte les pratiques vernaculaires, traditionnelles, ou dévoyées, selon des ethnologues, je prends en compte toutes ces techniques pour essayer de trouver l'image parfaite, l'image universelle. Et en fait, ce que je voulais dire, là, je vous ai fait voir quelques heures tout à l'heure, mais en fait, les heures ne sont pas très importantes, c'est les scories du travail. Le vrai travail, c'est le rapport que j'essaie d'induire entre moi-même et l'autre. Hein, essayer de comprendre, parce que dans un monde où ceux qui ne sont pas comme moi, qui savent manier l'Internet, on peut avoir accès à tout. On croit qu'on peut avoir accès à tout, mais en fait, on n'a accès à rien. Et surtout, moi, je suis désolé que depuis que Internet tout ça existe, je pensais que ça allait rapprocher les gens. Et en fait, pas du tout, on n'a jamais été autant le but à. Aux différences, aux haines, au rejet. Et on rejette que ce qu'on ne connaît pas. Donc moi, je vais ailleurs pour essayer de connaître. En fait, le vrai projet du Tour du Monde, c'est comment l'autre et moi-même allons essayer de nous comprendre à travers un projet commun, qui c'est une peinture, une sculpture, comme ça. Finalement, c'est un petit. Et puis, la troisième grande partie, bien sûr, c'est le mien, qui pour moi est un peu. C'est comme si j'avais les mains d'un côté et le cerveau de l'autre. Quoi. Mes mains seraient dans les peintures qui sont vues dans les galeries, dans les musées, et mon cerveau serait au bien. En fait, et en ce moment, j'essaie de rapprocher les deux. C'est l'exposition qui est en ligne là, début mars, qui va rapprocher aussi mes œuvres des collections que je fais aussi depuis des années, parce que vous avez vu dans le lien, bien. J'ai rarement exposé mes propres œuvres dans le mien. Il y a eu de temps en temps des commissaires qui ont voulu pour telle ou telle raison, mais c'était vraiment anecdotique et très peu. Parce que pour moi, le mien, mon œuvre, c'est l'intégralité du musée. C'est pas... Et donc, justement, je n'aime pas trop être présent avec mes œuvres intérieures parce que je trouve que ça perturbe un peu le regard. Et là, aujourd'hui, j'ai la possibilité de le faire dans d'autres lieux. Et là, ça va être dans d'autres lieux. Je peux justement ouvrir ce dialogue entre. Les choses que je collectionne, qui ont fait ce que je suis et ce que je fais. Quoi. Voilà, donc là, je suis un peu dans un moment où j'essaie de synthétiser, hein, cette espèce de synthétisme, de synthèse, plutôt de synthèse, de syncrétisme, j'essaie de faire entre ce que je fais, là où je veux aller et de là où je vais. Mais finalement, tous les artistes font ça. À vous maintenant. Bonnes idées, hein, non ? Pas d'idées ? Vous avez fait votre fatigue, vous n'avez pas envie, hein ? Vous fumez des cigarettes, quoi. Non, mais ce qu'il y a de très étonnant, si tu veux, c'est que. Alors, heureusement, on va les professionnels, peut-être, c'est super, c'est une merde, ouais, c'est ça. Non, non, mais merci, parce que putain, les jeunes, là, hein. On va te laisser tout seul, toi. Ah ouais, non, parce que les jeunes, là, ils sont pas, là, putain. Nous, on a fait des conférences comme ça, on va aller comme on foutait le bordel, quoi. Oui, ils font rien, là. Bah, laisse-moi oublier. Non, mais le professionnel, il parle fort, tu sais. Non, il m'entendait pas, donc là, il m'entend de mieux, oui. Ce qu'il y a de rapport, c'était très bien que Frédéric t'ait demandé de faire un espèce de comeback, de réviser tout ce que tu avais fait, parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert ce que tu avais fait depuis la période, on va dire,
tu vois, néo-graffiti, période picturale, figuration libre, des années 80, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que ta proposition avec le Miam, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, sans doute, a partiellement effacé la visibilité de ton œuvre. Ah, mais t'as mieux. Après, parce que mon œuvre, c'est le mien. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Hein. J'ai pas de... Tu sais que souvent les galeristes ou les collectionneurs de l'autre ville avaient passé ça. Et là, aujourd'hui, c'est moins le cas. Parce qu'en fait, finalement, moi, j'ai l'impression que le mien me porte plus que ce que je porte le mien. Parce qu'en fait, si j'avais pas été obligé, à cause du mien, de chercher sans cesse de nouveaux artistes, de nouvelles expressions, de lire tous les magazines, d'acheter tous les catalogues, parce que j'ai pas le temps de les voir d'exposition, mais je te promets que j'essaie de me procurer presque tous les catalogues les plus intéressants qui se passent, les magazines du monde entier, etc. Et j'essaie de voir le plus de choses possible pour nourrir le mien. Parce que, après, c'est pas que moi, on est plusieurs, comme je dis, on est un groupe, une dizaine, plus les experts extérieurs, les commissaires extérieurs que je prends, mais pour discuter des choses qu'on va faire, il faut être au courant un peu. Parce que si j'avais pas été obligé de le faire en premier, peut-être que je me serais retrouvé dans le cas de beaucoup de confrères qui, à partir de 50 ans, si tu leur parles pas d'eux, ils savent rien d'autre de ce qui se passe ailleurs. Et ça, c'est quand même très triste. Je pense qu'on ne dira pas des noms de tout ça, mais je suis sûr que tu penses la même chose que moi. Mais ça a été une chance pour moi. Parce que... Mais en fait, tu sais très bien aussi que, justement, pour toi, je pense à quelqu'un de très très différent de toi, comme à la Fléchère, etc. Moi, j'ai entendu des trucs. Tant doute, si tu veux, ou grosso modo, on vous disait, vous allez arrêter vos conneries un petit peu là. Donc on t'a pas dit à toi, on dit, tu vas ah, faire. Ah si, on m'a dit, ouais, mais tu vas pas trop de temps avec le mien, ça te fait perdre du temps, c'est des conneries, fais des peintures. Mais bon, au contraire, le mien nourrit mon travail. Tu vois, c'est pas. C'est vraiment dans l'objectif, quoi. Moi, le mien, vous êtes de moi, mais moi, j'ai besoin du mien, finalement. Ça, je m'en aperçois qu'aujourd'hui, parce que je peux faire des types d'expériences et démontrer des choses que je n'aurais jamais pu démontrer. Et je serais resté comme mes collègues à faire des expos de peinture, deux ou trois par an. Là. Et moi, si à un moment donné, on a, en fait, des artistes, donc, si tu le sais, à un moment donné, les 10-15 premières années, on a envie de faire toutes les expositions du monde, on a envie de toutes les semaines, en fait. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi faire cette exposition? Pourquoi faire cette exposition? Quand j'ai fait un vrai truc à montrer, je la fais. Sinon, bon, j'ai la chance aussi de ne pas avoir à montrer les œuvres qu'elles se vendent, parce qu'elles se vendent régulièrement dans des galeries qui les distribuent, etc. Donc, j'ai pas cette réalité que pas mal d'artistes ont, il faut faire une exposition pour vendre les œuvres. Moi, même si je ne fais pas d'exposition, elles se vendent. D'ailleurs, souvent, elles se vendent mieux quand je ne fais pas d'exposition, parce que je ne fous pas la merde. Moi, au moins, ça ne change pas, parce que tout le temps, on me dit, ouais, mais ça change, on ne comprend rien. C'est pas pareil que la dernière fois, c'est plus le problème. Tu vois, ça se problème, tu sais, le problème. De monomania et de catalogage. Et moi, ce qui m'a permis aussi cette histoire des années 80, finalement, comme le succès peut gagner 4 sous, peu de glorieux, etc., je l'ai eu, dirais non, je suis plus à la recherche de ça. J'ai plus passé à autre chose. Je comprends que pendant 40-50 ans, moi, j'ai des copains, des artistes vraiment que je trouve très importants et qui galèrent, je comprends qu'ils soient focalisés là-dessus. Hein. Mais aussi, je suis admiratif de mec comme Anthony Miranda, qui travaille sur sa fondation, qui n'a pas un sou, qui ne veut pas rééditer des œuvres à lui des années 70, qui se vendraient comme des petites pelles, là, ces fameuses œuvres, des soldats accolés. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont des points de vue et qui s'y tiennent, quoi. Après, le reste, c'est empirique. Et moi, je pense que. Je ne crois pas. Moi, je pense que. L'histoire du star system, l'histoire de l'artiste, où aujourd'hui on achète presque que la signature, on garde même plus l'œuvre, bon, partout heureusement, mais en général les gens, là, ils sont attirés par quoi? Par le prix de l'œuvre, par le mec qui soit un peu original, etc., comme on le voit à la télé, mais on ne regarde plus les œuvres. Et d'ailleurs, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de professionnels dans nos musées, etc., suivent ça, suivent la communication, la pub et le marché, sans trop se poser de questions. Il y a quelques centaines d'années, l'artiste n'existait pas, c'était les œuvres qui existaient. Donc à partir de la Renaissance, où l'artiste a été vraiment de plus en plus porté comme le centre du questionnement. Et moi je pense que l'artiste, c'est pas le centre du questionnement, c'est l'œuvre le centre de l'intérêt qu'on peut porter. Et donc moi je crois qu'un jour, c'est pour ça que je crois toujours au travail collectif. Et pourtant, tu le sais,
j'ai beaucoup eu de déceptions dans ma vie de ce côté-là, à chaque fois d'ailleurs. Mais bon, mais tiens, pourtant, on m'engueule tout le temps, on dit, ah tiens, ça t'a pas fait des leçons d'avoir fait ça, mais là, là. J'ai dit, non, ça ne va pas servir de leçon, non. Parce que moi, je crois au travail collectif. Je crois qu'on est plus fort, on est mieux à plusieurs que seuls. Ça, je suis persuadé. Quoi. Et on est dans un monde où on essaie de détruire les groupes, on essaie de détruire le collectif. Même dans l'art, on s'aperçoit qu'il y a des collectifs d'art, les galeries, genre Michael Zirner va prendre un, alors qu'il n'est pas meilleur que les 3, 4 ou 5 autres. Je l'ai vu ça pour l'exposition Winnipeg, tu vois. J'ai vu que, moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser à Winnipeg, c'était au tout début des années 2000, enfin 90, quand ils commençaient un peu à éclore, j'avais vu des trucs sur eux, tout ça, sur le Royal Horloge. Le temps que je trouve le chemin de Winnipeg, les connexions, etc., c'est arrivé à. Il y a quelques années, là, donc, tu vois, j'ai mis 5-6 ans à trouver le contact avec Almadine, avec les gens du Royal Horloge. Et entre-temps, le Michael Zirner avait pris Marcel Zama, qui est devenu maintenant une grande star à New York. Mais moi, je trouve qu'il n'est pas plus fort que Nils Harbour, que John Pilchuk, ou les deux. Ils étaient 5 ou 6, il y en avait 2 ou 3, à 3 ou 3 en tout cas, de la même qualité. Et en fait, de l'avoir pris, ça a brisé complètement le groupe, n'existe plus finalement. Tu vois, je veux dire, on est dans une. Et ça, je pense qu'il faut se battre contre ça. Moi, je pense qu'il y a plus en France, comme on est très mal vu dans le monde entier. Il y a un truc qui se passe là, c'est le sommet de Davos, tu sais. Et il paraît qu'on est très mal vu là-bas parce qu'on ne veut pas travailler, on veut faire trop payer d'impôts, on est trop collectif, on ne croit pas au talent. Moi, je ne crois pas au talent. Moi, je crois qu'au travail et au travail collectif. Je ne crois pas du tout au talent et au mec seul, je ne crois pas à ça. Donc, le mien, si le mien m'efface, tant mieux. Si je peux laisser ça, d'ailleurs, s'il me survit, après il faudra qu'il me survive parce que j'ai le plan aussi d'arrêter le blâme. Hein. J'ai le plan de mon implication personnelle. À terme, je ne veux pas devenir un mini baron local comme moi j'en vois beaucoup dans le aussi. Les mecs, ils ont un musée, tac, ils se le gardent jusqu'à la retraite, ils sont là, toutes les mains jusqu'à la retraite. Hein. À Paris aussi, je ne vais pas faire d'énorme. Il y a un type qui a pris la retraite il n'y a pas longtemps là. Il est là depuis son T16, hein. Il était depuis son T16 à un moment. Il y a un problème quand même. Ça ne veut pas la qualité des gens, mais pas la qualité. Quand je trouve que c'est un vrai problème. Et moi, je ne veux pas être, si je vis vieux, je ne veux pas être. Ce que j'aimerais, c'est passer le relais à d'autres artistes. C'est pour ça que je commence à faire des expositions où des artistes prennent le relais du commissariat. Et après, je veux carrément, dans 2-3 ans, je veux faire prendre la direction artistique de manière alternée, une année dans l'autre. Parce que mon administration, ils ne veulent pas. Même notre ami Norbert, ils nous disent ah non, il n'y a que toi qui es ouvert, et ces artistes, ils passent tout ça. Moi, je suis sûr que c'est pas vrai. Regarde le cas de Manuel Campo. Là, on va avoir le cas de Coro González, qui n'avait jamais été commissaire d'exposition pour Séville. Et en fait, l'équipe, je leur apprends aussi que faire une exposition, c'est gérer un budget. Tu as ça, et si tu payes ça, tu as l'argent, tu ne vas pas pouvoir le mettre là. Tu vois, parce qu'il y a deux sortes d'artistes. Ou alors, ça ne marche pas, et on travaille à l'école, c'est la dernière, on travaille avec un groupe officiel. Ou alors, ça marche, et c'est des caprices. Tu vois, il n'y a pas la réalité. Moi, je l'ai vécu, ça. Moi-même aussi, je dois dire, j'étais déjà des cons, et je l'ai vécu aussi de l'autre côté. Parce que le mien, ça m'apprend aussi. Parce que le mien, ce qui est important, c'est l'apprentissage qu'on peut avoir de faire les choses. Hein, de ne pas faire que son œuvre, de ne pas être auto-centré. De faire les choses pour les autres. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est le seul message que je peux faire, c'est ça. C'est faire les choses. Voilà. Et tout ça, il y a des fusils de cigarette à moi aussi. Ça va, vous êtes tous d'accord? Oui! Ouais, parfois, ouais. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de faire voir à mon état. Voilà, tout à fait. Mais pas forcément aussi. Des fois, je vais voir seul ou simultanément. Mais ça, c'est quand j'avais pas la photo des plusieurs versions. En fait. J'avais pas les photos là. Je suis pas très bien organisé. Excusez-moi. Bon, vous avez tout bien compris alors. Oui, c'est bon. Alors, tout le monde a 7 le 10 avril. Vous avez quitté le 10 avril.
encore un verre à Saint-Agnoté. Le 12 avril, on tous à 7. Thank you.